Et bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, podcast de lutte animé par moi-même, Marco et l'Encyclopédie de la lutte au Québec, au Canada, en Amérique du Nord et dans les Europes, TJ Holiday. Yep. -er. 201e émission. Ok, je ferai pas ça à chaque fois. Ouais, ouais c'est seulement la vie. Là. <laughs> je veux saluer euh, les gens euh, de, du Brésil. Les gens des, des Europes qui sont un petit peu plus euh, nombreux. Il y a des gens des Europes qui se sont ajoutés. On les salue. Un peu plus bruyants. Oui. Et euh, j'ai vu aussi euh, en République tchèque, il y a quelqu'un qui nous écoutait. C'était Jäger. <laughs> Peut-être qu'il y a Rémi Jäger. mais euh, écoute, on les salue. Merci <laughs> beaucoup euh, pour ta carrière. Puis euh, c'est ça. c'est bien le fun de te regarder jouer au okay. mm hockey. -hmm. Euh, ben, c'était lui. Soit lui ou Mario Sarkozy. c'est un des deux. Ça pâte à Oui. Euh, Aujourd'hui, ben, on va continuer dans notre euh, WrestleMania Season, notre deuxième de trois, ben, de quatre sont si on compte celui de cette année. Euh, WrestleMania 9, 6, 6, uh, Caesars Palace à Las Vegas, Nevada, mon cher TJ. Oui, ouais, euh, la, la, la place où euh, Gambler est de mise. Oui, je voulais mettre mon sou de Romain, mais il était chez le Netwire, que malheureusement, ah, okay. j'ai gardé le bandeau de Hulk parce que c'est de mise. <laughs> Puis c'est euh, ça. Toi, t'as ouais, pas ouais. rien de spécial pour? T'as pas, non? Ben, j'ai mis le chandail en chaise de métal. Euh, ah, souvent, hein. mets... ces temps-ci, je le mets moins. Là. Je mets le temps de de lutteur, mais garde pas de temps il faut que je le mette. Hein? Ouais, surtout qu'on ne voit pas en caméra sur YouTube. Hein. Ben là, je m'excuse, mais je le montre en ce moment là. Voilà. Mais de toute façon, ça, ça importe un peu pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcasts, Spotify et Balado Québec en audio. Ben là, tu me demandes qu'est-ce que je porte, après ça, quand je te dis qu'est-ce que je porte, <laughs> tu me dis pas bon pour ça en audio, tu sais. comme toi. Hein? Et sinon, ben il y a Twitch, hein? On est de retour sur Twitch <laughs> cette semaine. Il y a ça, le... Sir... le... mon quasiment un 12 heures de Twitch cette semaine avec WWE, 2 k 23 où ce que je me suis amusé? Puis évidemment... Euh... On a fait aussi euh, le Road to euh, WrestleMania, la 9, la marche. Ouais. Avec, Pas euh, de char permis pour la, <laughs> juste, la, juste la marche. Non, c'était bien, bien intéressant. Allez voir ça sur Twitch. On va essayer d'être plus présent. On devrait l'être. On dit ça souvent, mais là, on. On va l'être. Pas mal souvent. On va l'être. Fait que, euh, si tout rentre dans l'ordre, ça va bien aller. Mais avant ça... On a aussi un Patreon cette année euh, avec un tiers à 3 et 5 dollars. Et euh, le tiers à 5 dollars, ben, on a un concours très intéressant. Ça faisait un petit bout qu'on n'a pas reparlé, mais là on va en reparler parce que ça approche à grands pas. Mm -hmm. euh, le, le gala de la GPW le 17 juin prochain au centre Slush Poppy à Gatineau. Euh, je sais que tu aimes bien ça quand je dis ça. Euh, si vous inscrivez au tiers 5 dollars au Patreon, vous avez des bonus vidéo évidemment. Vous avez les podcasts en avance audio et vidéo. Vous avez aussi... Euh, tu veux me déconcentres, on m'a dit. Vous avez aussi accès à des matchs de lutte qu'on a fait euh, dans le passé. Vous avez accès à deux 2 collections euh, en, en avance et plein d'autres euh, trucs. Et aussi un concours qui vous donne accès à un meet and greet gratuit à Gatineau le 17 juin prochain pour rencontrer M. Raymond Rougeau et Demolition. On a un billet à faire tirer. Et euh, ben, on va être sur place. C'est nous-mêmes nous qui allons vous accueillir sur place pour rencontrer ces, deux, ces trois légendes-là. Donc, à votre niveau tiers toi? à 5$. Comment ça, 4? Ben, moins. Ah, je ne te comptais pas là-dedans. Ah, OK. Mais si tu Comme veux être, dire 4, oui, je vais je, je je être là, c'est bon. Ouais, parfait. ouais, c'est ça, me semble, me semble, ouais, ouais. On ne sera pas tout seul. Toute l'équipe dans Deux Chaises de métal devrait être sur place pour un, un podcast live avec des invités à, à voir. On ne peut pas non plus donner des invités en ouais. avance parce que on n'est pas même, nous autres. Ça peut changer, dernière minute, ça, ça arrive. Ah, hein, Alfredo? Oui. Puis sinon, il ben, y a un autre événement qui est, euh, qui est pas mal cool, qui s'en vient du côté de, de Laval. Euh, on, a, on a été invité, mon cher TJ, pour. Euh, c'est le... mon but, Oui, c'est dans ton but. Dans le but Alfredo aussi, proche de, de Sainte-Rose qui habite. Donc le Wrestle Weekend Jam avec euh, c'est le, le week-end de WrestleMania. Wrestle Jam Weekend. Oui, c'est ça, Wrestle Jam Weekend. <laughs> le 1 et 2 avril prochain, euh, Au Château Royal à Laval, il va y avoir des lutteurs sur place, des groupes de musique métal, euh, des entrevues, des podcasts. Il va y avoir euh, Marc Blondin qui va être là pour son, la signature de son livre. Green Phantom, Zach Patterson, Vanessa Craven, entre autres. GT Producer. Tous des gars, tous des gars et des filles qui ont lutté à AEW et WW dans les soit dans des dark matches comme extra. Du monde avec beaucoup d'expérience dans le monde de la lutte que vous connaissez très bien. Donc, euh, gros week-end, gros, euh, gros jam de lutte. Malheureusement, nous autres, on ne pouvait pas être sur place, mais on aurait aimé ça être là. Peut-être l'année prochaine, si euh, l'événement euh, sera produit, pas, on sera sur pas place pas. Pour, euh, pour le podcast, mais on aurait aimé ça en mode être là. Euh, ouais. Ce n'est qu'à partie remise, mes chers amis. Faut pick and choose des fois, malheureusement. Mmh, C'est ça qui arrive. ce qui arrive quand, quand tu es trop euh, en demande. Occupé en demande. Ok. <laughs> tu okay. Un petit respect. Ok. sérieux dans nos, dans nos affaires, mais on est prêt pour WrestleMania 9, le review. Mais avant, on est prêt pour un de mes segments préférés du podcast maintenant, qui est. Dans, est comment ça s'appelle J'oublie tout le temps. Oui, pardon. Dans la vraie vie. Okay, Je veux juste que tu le dises parce que ben oui. ça sort mieux quand c'est toi. C'est comme que toi, puis sans se c'est c'est Moi, c'est <laughs> mon, mon go-to. Évidemment, dans la vraie vie, le segment où, où on s'est deviné qu ce qu'il y avait dans la pop culture à l'époque. Euh, ben, c'est tough, évidemment, là. C'est pas super évident, là. Mais oui, fait que évidemment, je euh, suis deviné de deviner à toi, mon cher. Mm -hmm. Chanson numéro un en Amérique du Nord. En 1993? Euh, oui, euh, au mois d'avril, euh, le 4 avril à peu près. C'est un indice, c'est pas si là. Une chanson d'un rappeur canadien. Canadien. Ouais. M MC Hammer, t'as-tu Canadien? Non. <laughs> ok, je sais pas si c'est good bon. C'est Informer de Snoop. Ah fuck, c'est bon en plus, ça. Informer. Boom boom bon, okay. now. Et l'autre fait l'autre tune, euh, chanson numéro un au Québec. Euh... 93, ça va être tough, hein? Pas le même genre de registre. Céline avait tu 14 ans dans ce temps-là ou était un petit peu plus vieille? Je connais pas son âge à l'époque, malheureusement. Il y a juste René Angélique qu'elle connaissait. Je <laughs> euh, <j> vais <laughs> dire. 83, je vais dire euh, Julie Mauss. Tout le temps, Julie Mauss, mais peu importe l'année. Je <laughs> connais <J> juste <déjà rire> Céline plus <laughs> Julie Mauss. Ok, non, attends, t'as menti un autre. Laurence Jalbert. Hey, T'es pas loin que Laurent Jalbert. Attends, t'as m'en un autre. Euh, France d'amour. Non, okay. j'en ai plus, là. La chanson numéro 1 au Québec, et c'était À ma façon de Marie-Carmen. Ah, oh, la maudite Marie-Carmen. Ouais. C'est quoi l'autre qui qu'elle faisait, la tune populaire, là Aigle noir, c'est ça, hein Aigle noir Ouais. Na, 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 na. Sur ces belles paroles, on va au film numéro 1, au box-office. Euh... 193 au mois de mars. Euh... Jurassic Park. Le film noir au box-office, c'était Un flic et demi, avec Burt Reynolds. Ah, c'est bon. C'est qui l'autre euh, flic? Eh ben, L'autre flic et demi, c'est un enfant. C'est un, ah. un Afro-Américain. Je ne sais pas son, sais pas ah. son, autre, sais pas son okay. nom de comédien, malheureusement. Parfait. Et jeux vidéo sortis alentour du pay-per-view. Tekken? Oh, ok. Hein? T'as pas venu celle-là? Non, vraiment pas. Surtout que c'est genre 5-6 ans plus tard, là. Euh. Sinon, c'est Star Fox au, so ah. au Super Nintendo! C'est un jeu aussi que j'avais. Ouais, un jeu que j'avais à l'époque au Star Fox au Super Nintendo, que j'avais bien du fun à jouer avec ça. Même si hey, c'est pas euh... mon genre de jeu tout. Je... Oui. Quand, quand tu parles pas dans le micro, je t'entends pas. C'est pas dans le micro d'abord. Ok. C'est tough. Euh, Excuse. Okay. Mais on va m'entendre pareil, je dans, le... dans, dans le. Non, si moi je t'entends pas, les autres t'entendent pas. Non, c'est vrai. Je t'ai cru, je t'ai cru. Là. Là, Et le, dans le monde du sport. Oui. 93, ça, c'est la, la conquête de la Coupe Stanley des Canadiens de Montréal. Oui, ouais, mais il n'a gagné pas au mois d'avril la Coupe non, Stanley. Au mois de juin. Oui. Encore. Je te dise, parce que je oui. te oui. Qu'est-ce que tu me dire? Da Dante Bichette. Oui, euh, oui, avec les Rockies du Colorado. Le premier coup de circuit de l'histoire des Rockies du Colorado il avait commencé cette année, là. Oui. c'est la première année qu'il avait commencé, c'était en 1993, ouais. Oui. Et ouais. ouais. ouais, je me souviens, après, il y avait des Andres Galarraga qui jouaient au premier but pour eux autres, Dante Bichette. Euh... Attends, c'était qui le joueur C'est un pas pas aussi. C'était ouais, lui, aussi je... Oui, mais c'était plus les Chargers de San Diego, me mais... juste... euh, ouais, euh... semble. Ouais. Chargers, au football, on pense à ça. Pas Chargers, les... Pas de San Diego, oui. Tu Chargers, au football. Qu'est-ce que c'est l'actualité, c'est un c'est le football, en fait. Que... C'est vrai, c'est vrai, beaucoup de changements. Beaucoup mm -hmm. de monde qui partent des navires, qui coulent un peu pour aller à d'autres places. Hein. Bon, <laughs> parfait. Fait <que> là, <laughs> le magazine, c'est quoi? Pour, pour terminer <laughs> le segment dans la vraie vie. Euh, sur le WF Magazine du mois d'avril 1993, qui était dessus, à ton avis? Tatanka. Non, mais c'est un autre de tes préférés. C'était Yokozuna. Que voici. Sur ceux qui sont sur YouTube, dans être choyés. Wow! Hum. Mm. Puis de... derrière, c'est les jeux vidéo de Ter -T -T Terminator 2. Y a-t-il un jeu vidéo Terminator 2? Non? Ben oui. Aux arcades? De... Ah ouais, mais là on Genesis. Ah oui, c'est vrai, Genesis. Puis là il y a des belles photos dedans, là, donc je vais en montrer une que, que je trouve bien cool. Voilà. C'est que ça sur les jeux vidéo. Ah ouais, ça c'est bon. C'est bon. Ouais. Alors voilà! C'était sur le cover du magazine au mois d'avril, c'est Yokozuna. Et c'était ça qui y avait dans la vraie vie autour du, du WrestleMania 9. Euh, évidemment <coughs> WrestleMania 9, c'est le neuvième événement de ce nom. Et euh, il y a eu lieu le 4 avril 1993 en direct du Palais de César en banlieue de Las Vegas, Nevada. C'était le, euh, le premier gala à avoir euh, à être d'or à WrestleMania. Oui, puis je me souviens, dans ce temps-là, je trouvais ça vraiment cool. Le visuel ouais. était cœur, hein pour vrai. Là. Euh... Visuellement parlant, le show est un 10 sur 10. Oui, puis c'est drôle parce qu'à Star, tous les shows WrestleMania sont dehors. Oui, oui. Puis ça me gosse. Oui, ah, parce que quand tu le fais une fois de temps en temps, comparativement à trois ouais. années, c'est ça. Puis Rumble aussi à Star. SummerSlam, Rumble, puis euh, Mania sont toutes dehors à Star. Le Big Four. À mm -hmm. uh, Star Series, non. Là, non. Il... Sur Mario Series, c'est quasiment même plus un Big Four à ce tellement que c'est rendu bah, Mollyn de Beng plus. Mm, pas d'accord, mais je, peux... je comprends un peu ce que tu veux dire. C'est une question, question d'ampleur, il... je veux dire. Il s'en va à London, dire, non, cette année Oui. Quand c'était ben, à c'était pas aux États-Unis non plus, puis ça veut pas dire que c'est un... un Big Four. Là. Mais non, mais arrête de prendre Nono, tu sais ce que je veux dire. ben non, c'est pas une question de ça c'est la même affaire. En tout cas. Et dans le temps, match de la soirée. Avant le show de WrestleMania 9, il y a un combat euh, fermé, ben, pas juste pour les, ceux qui étaient dans la foule. Okay. Et El Matador, euh, Tito Santana, évidemment. Tu ne peux pas tango. En 8 puis, minutes, pile. Ouais, puis il devait avoir un match, euh, ça c'est pour le, le, le show là, après. Il devait avoir un combat entre Bam Bam Bigelow et Kamala. Wow. Qui a malheureusement a été coupé en manque de temps. Ce qui est dommage. Ouais. Kamala n'est pas chanceux que les, le coupage. Non, non, c'est ça, c'est ça. Il aurait été mec, Lex Luger. Intro avec Brett et Yoko sur un édifice à deux tours, puis ils se regardent de profil, euh, ça c'est malade. Puis euh, évidemment, après ça, on a Gorla Monsoon qui est en Toga comme hôte du gala, puis nous avons euh, au nouveau commentateur à la WB, euh, WBF à l'époque, évidemment, le Jim Ross, anciennement de la WCW, la World Championship Wrestling. Oui. Oui. Son, son premier show télévisé, télévisé pour Vince McMahon mais Ce qui est drôle, c'est que Jim Ross, son premier show, mais il travaillait en même temps pour la WCW. Il y avait encore des, euh, des vignettes de WCW qui passaient avec Jim Ross la même fin de semaine que WrestleMania. Ouais, ça, qu il a enregistré d'avance. Il l'a enregistré d'avance. Je pense que la même journée, tu avais une promo de Jim Ross à WCW, puis tu l'avais à WrestleMania 9 le soir. C'est quand même spécial. Mm -hmm. fait qu il a mm -hmm. dans son premier show de plusieurs pour Gold JR. Oh oui. Et après, on a la, la cérémonie d'ouverture avec Jules César et Cléopâtre. Et aucune nouvelle du frère de Jules, salade. Là, euh, ça va être oui. de même toute la soirée? <laughs> Peut-être, je te garantis rien. OK. Non, mais je parlais de toi qui ne parle pas dans le micro. Ben là, je parle dans le micro. Ah, t'es pas à boire! Hé, hey, mon, mon taureau de mon oncle. Ah, hein, mon oncle? Ouais. Il arrive sur un éléphant. C'est le macho man qui fait son arrivée en hein, faisant nourrir des raisins. Euh... Des raisins verts par des vierges vestales. Des raisins verts que t'adores en passant. Ouais, c'est bon, les raisins verts. Comment ça ouais. Ah, tu te souviens que j'aime les raisins verts c'est. Ben, c'est ben. rien d'excellent juste... mais c'est oh, cool que tu sois. Se se de... On se connaît juste depuis 25 heures. maintenant on va pick up des things de spéciales sur l'autre. Ouais, ben, de toute façon, en partant, tu sais que j'aime manger. Hein. Ben oui, mais qui aime pas manger C'est ça. C'est ça, exactement. Et pour terminer, évidemment, il ben, une belle version pour le Macho Man, bien sûr. Oui. Et pour terminer, Bobby Inan, évidemment, qui arrive en comique sur un chameau à l'envers. <laughs> puis, euh, ce que j'adore, ce c'est il tombe aux abords du ring. Puis, euh, ça veut il lève son toga, puis il montre ses bobettes bleues, puis il fait un gros comme ça par caméra, c'est malade. <laughs> je, pourrais je pourrais te l'envoyer maintenant, puis tu le mettre tantôt. Là, mais... Ok. Ouais. On Parfait. Pendant que mais, tantôt, je vais le faire. Okay. Et ouais, fait que euh, toute une image là-dessus que j'ai m'a fait bien, bien rire, évidemment, mm -hmm. quand j'ai vu. 93, en direct du Palais de César, en banlieue de Las Vegas, Nevada. C'était le premier, euh, pre pre premier gala à avoir euh, être d'or à WrestleMania. Ouais, puis je me souviens, dans ce temps-là, je trouvais ça vraiment cool. Le visuel ouais. était coeurant, pour vrai. Là. Euh... Visuellement parlant, le show est un 10 sur 10. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'à Star toutes tous les shows à WrestleMania sont dehors. Oui, oui. Mm -hmm. Puis ça me gosse. Oui, ah, parce que quand tu le fais une fois de temps en temps, comparativement à trois ouais. années, Mané, c'est ça. Puis Rumble aussi, à ce heure, SummerSlam, Rumble puis Mania sont tous dehors, Esther. Le Big Four. Uh, Summer série non, là. Non. Summer Series, c'est quasiment même plus un Big Four à Star terra tellement. Que... C'est rendu bah, mon long. in -de bang plus. Mm, pas d'accord mais je, peux, je comprends un peu ce que tu veux dire. Tu sais, Bang, c'est une Question, question, question d'ampleur, il... je veux dire. S'en va à London, dire, là, non, cette année? Oui. Quand c'était Castle, c'était pas aux États-Unis non plus, puis ça veut pas dire que c'est un, un Big Four. Mais ben non, mais ben, arrête de prendre Nono, tu sais ce que je veux dire. Ben non, c'est pas une question de Nono, c'est la même affaire. En tout cas. Et dans le direct match de la soirée, avant le show de WrestleMania 9, il y a un combat euh, fermé, ben pas juste pour les, ceux qui étaient dans la foule. OK. Et El Matador! Tito Santana, évidemment. Ah ben tu peux pas Shango Tango! En 8 il... minutes! Pile! Ouais. Pis il devait avoir un match, ça c'est pour le, le, le show là, après. Il là. devait ouais. avoir un combat entre Bam Bam Bigelow et Kamala. Wow. Qui a malheureusement a été coupé en manque de temps. Ce qui est dommage. Oui. Kamala n'est pas chanceux que les, le coupage. Non, non, c'est ça, c'est ça. <laughs> il aurait été mettre lex Oui! <laughs> intro avec Brett et Yoko sur un édifice à deux tours. Puis ils se regardent de profil. Euh, ça, c'est malade. Puis euh, évidemment, après ça, on a Girl Mansoon qui est en toga. Comme hôte du gala. Puis nous avons au nouveau commentateur à la WB, euh, WF à l'époque, évidemment. Le Jim Russ, anciennement de la WCW, la World Championship Wrestling, ouais. Euh, ouais. Son, son premier show télévisé, télévisé pour Vince McMahon. Mais ce qui est drôle, c'est que Jim Russ, son premier show, mais il travaillait en même temps pour la WCW. Il y avait encore des, euh, des vignettes de WCW qui passaient avec Jim Russ la même fin de semaine que WrestleMania. Ouais, ça, qu il l'a enregistré d'avance, Il l'a enregistré d'avance. Fait que tu sais. Je pense que la même journée, tu avais une promo de Jim Ross à te laisser puis tu l'avais à WrestleMania 9 le soir, c'est quand même spécial. Ça mm -hmm. fait il mm -hmm. est dans son premier show de plusieurs pour Gold JR. Oui. Et après, on a la, la cérémonie d'ouverture avec Jules César et Cléopâtre, et aucune nouvelle du frère de Jules, Salade. Là, euh, ça va-tu être oui. de même toute la soirée? <laughs> Peut-être, je te garantis rien. Ok. Non, mais je parlais de toi qui ne parle pas dans le micro. Ben là, je parle en micro. Ah, t'es pas boire. Mon, mon toru de mon oncle. Ah, hein, mon oncle. Ouais. Il arrive sur un éléphant, c'est le macho-man qui fait son arrivée en hein, faisant nourrir des raisins, euh, des raisins verts par des vierges vestales. Euh, des raisins verts que tu adores, en passant. Ouais, C'est bon les raisins verts. Comment ça Ah, tu te souviens que j'aime les raisins verts C'est ben, ben, rien d'excellent, que... mais c'est cool que ça soit. On se connaît juste depuis 25 heures. Mané, on va pick up des things de spéciales sur l'autre. De ouais. toute façon, en partant, tu sais que j'aime manger. Hein? Ben oui, mais qui aime pas manger? C'est ça. C'est ça, exactement. Et pour terminer, évidemment, il y a une belle version pour le Macho Man, bien sûr. Ouais. Et pour terminer, Bobby Inan, évidemment, qui arrive en comique sur un chameau à l'envers. <laughs> Puis, euh, ce que j'adore, c'est que, que ben là, il tombe aux abords du ring. Puis Savage, euh, lui, lève son taux, il lève son toga gâte puis il montre ses bobettes bleues, puis il fait un gros thumbs up à la caméra, c'est malade. <laughs> je, pourrais l je pourrais te l'envoyer maintenant, puis tu si le mettre tantôt. Là, ben... Ok. Ouais. On Parfait. Pendant que tantôt, je vais le faire. Ok. Et ouais, fait que toute une image là-dessus que j'ai, me fait bien, bien rire, évidemment, mm -hmm. quand j'ai un mm -hmm. Et comme vous avez pu deviner, ben, Jim Ross, euh, Macho Man Randy Savage et Bobby Innan, ton est commentateur de, de ce soir à WrestleMania. Et on va directement au match numéro 1. Le Heartbreak Kid de Shawn Michaels défend son titre intercontinental contre Tatanka. Et évidemment, dans le coin de Shawn, il va y avoir Luna Vachon. Et dans le coin de Tatanka, il va y avoir Sherry Martel. Oui, parce que euh, ben, pour commencer, euh, Tatanka est toujours euh, invaincu à la WWF depuis euh, quoi? Quasiment deux ans, depuis son arrivée. Deux ans? C'est deux ans trois ans, c'est. Deux ans, deux ans, ouais, pas trois. Là, ben, dis... il a perdu sa il a perdu sa streak, euh, il disait qu'il avait deux ans en défilé, puis il a perdu sa streak en, en 93, novembre 1993. Que... C'est ça, ça c'est à peu près à peu près deux ans. Puis euh, pour ceux qui ne savaient pas, euh, ben euh. Sean Michael était supposé affronter, comme tu, tu m'avais bien dit. Marty, Party Marty! Genetti. Mm -hmm. Mais euh, En étant Party Marty, ben, il s'est peut renvoyer de la WWF pour euh, ses frasques. Chose qui va arriver euh, une autre fois par la suite, deux, deux autres fois par la suite, je pense, en plus. Pas, pas une fois, deux autres fois. Euh, c'est le euh, mot français, donc... je ne qu'il aujourd'hui. Non, hein, c'est un beau mot. Ouais, frasme, puis, euh, oui, Oui, puis, euh, ben, Tatanka, qui a réussi à battre deux fois, pas une, mais deux fois Shawn Michael pour devenir l'aspirant numéro un. Euh, au titre intercontinental du Heartbreak Kid, puis aussi ben Sherry qui était avec Shawn Michael. Vous vous rappelez de la, la fameuse chanson que c'est elle-même qui chantait le thème de Shawn Michael? C'est ben, séparé de HBK, qui lui avait été devenu champion intercontinental pour la première fois en octobre dernier. Ça avait séparé de Sherry avec le, le, le truc du miroir. Là, euh, Classique. Le, le, le fameux spot du miroir. Puis il avait engagé Luna Bachon pour. Euh, un peu pas se défendre mais pour, euh, pour le backer parce qu'il voulait pas frapper Sherry évidemment fait que... ouais. Puis Sean ne vraiment pas euh, qu'il était avec Lula Vachon il avait pas ça là. non j'imagine ça, ça fait ouais. pas ensemble, là, ouais, ben, bien ensemble de toute façon ben les styles de Lula Vachon pis Sean Michaels ça marche c'est un clash, là, ça peut pas de sens ça. elle est plus belle que Sean Michaels là. ben en partant moi je suis au ferme fait que c'est sûr que non j'aime mieux Sean ok ton boy <laughs> toy <Exact. rire> Fait que euh, c'est ça, fait que euh, merci beaucoup là-dessus. Mm -hmm. je t'envoie la photo en passant. Euh, lutte à la chaîne pour débuter. Et Tatanka projette HBK dans le coin et Sean flippe dessus le coin sur les prunes, euh, évidemment, comme <laughs> il fait souvent les beaux bumps. Là. Et puis Tatanka le chop euh, et Sean tombe en bas avec un triple bouc piqué. Oui. <laughs> et, euh, <laughs> et pendant que Luna va, va vers Sean Michaels, ben, Sherry arrive devant pour lui dire Non, non, toi tu restes là, tu veux pas. Tu t'assis et tu pisses la tête. Et Tatanka travaille le bras de Sean après l'avoir drivé sur le tapis avec un DDT. Et HBK line Tatanka, mais ça lui fait mal au haut l'épaule parce bah qu'il vend son bras. Mm -hmm. ouais, nice touch. Et après plusieurs minutes de dissection de l'épaule, plus tard, Tatanka saute de la 3 tout droit sur un super kick du champion défendant. Et Michael il va d'une line de l'épreuve jusqu'en bas sur Tatanka et après ça avec un Breeze, un, un breeze Nooks, un egg breaker pour deux. T'as d'un euh, HBK avec un coup de manche double H de la deuxième corde, mais T'as le, le natif américain, entre en danse indienne, euh, danse de la pluie, et fait son comeback euh, des atémis, un crossbody de la 3, 1, 2, et non, Sean kekout, euh, coup de la fronde dans le coin, que Sean prend comme un dieu, 1, mm -hmm. 2, et toujours non. Et après ça, autour de Sean, c'est un crossbody de la 3, mais T'as cas l'attrape en power slam ah, pour un très deux beau. très proche. Euh, ouais. Il n'en manquait pas gros. Non. Et les deux brawls en bas. Et euh, Sean sort du tablier du ring, mais Tatanka s'enlève du chemin. Et, Sean se pète la fuse drette sur, le turn, euh, sur euh, les marches en métal. Oui. Et euh, Sean va se faire compter out, mais sais, les pieds du ref. C'est euh, pour ça qu'il rentre dans le ring. Il y a soit Félix de Tatanka qui est un Sam Drop, le, le end of the trail, la fin du parcours. Mm -hmm. Et euh, au lieu de faire le tomber, ben, le ref il va taper sur l'épaule de Tatanka pour lui dire non, non, le match est fini, euh, il est disqualifié. Fait que, il compte pour la cloche et Tatanka gagne par disqualification. C'est très, très chouette. Euh... Ce qui est plate là-dedans, c'est que c'est un, un excellent opener quand même. Ouais. Ce pas le meilleur ouais. opener que j'ai vu, mais ça, ça commençait bien un show que, qui va se détériorer par la suite. Mm -hmm. Puis, euh, euh, Sean Michael, on, évidemment, va rendre le match encore plus intéressant que le match est supposé être. Là. On ne se comptera pas de montrer a pris de match sur ses épaules. Tatanka mm -hmm. est bon, mais je veux dire, c'est pas lui qui va porter un match sur ses épaules. Mm -hmm. C'est pas mal simple ce qu'il fait dans le ring. Puis, euh, <laughs> la fois que, que j'ai trouvé drôle, c'est qu'il y a eu un botch dans ce match-là, là, le, le Sunset ouais. Flip, parce que Michael par dessus Tatanka et qu'il est tombé. Ouais, là, est, il était de, de côté un peu. Là. Il de côté, mais ça, tu ouais. vas voir, là, le, je, je vais en parler. J'ai dit dans mes notes là, pendant la soirée, c'est récurrent. Là, dans chaque match, à peu près, il y a un botch assez évident. Mm -hmm. C'est ça. Puis, euh, évidemment, ben. Fallait finir ça avec un, un, une fin de mer pour commencer le show et protéger les deux hommes. Tu veux protéger la streak et tu veux protéger Sean pour rester champion. Ouais. Et après que Sean soit parti, ben Luna attaque Sherry sauvagement à l'intérieur du ring et t'attaque mm -hmm. fait le save et l'amène backstage. Ah, je pas terminé là-dessus. Puis euh, sinon, euh, un, solide, un, un opener solide avec un mauvais finish, malheureusement. Puis euh, ouais. le build-up était cool à la fin de, de Luna. Là, ça voyait que les chats rentraient. Là. Ah, ouais, mais oui. Évidemment. Puis Martel est bonne aussi dans. Oui. Martel a été, été mise dans un. On, on l'a vu dans notre bio qu'on a faite l'année passée. elle a été mise dans un rôle de manager, mais elle voulait vraiment lutter. Donc quand elle avait l'occasion de bande, ben, elle faisait. Oui. Quand elle parlait down and dirty dans le ring, ouais. elle faisait. Exactement. Ce qu'on a vu aussi la semaine dernière à euh, WrestleMania 7. Mm -hmm. ouais. Puis euh, sinon, le match, comme tu as dit, c'est un bon opener, là, mais c'est correct. Ouais. Tatanka ouais. aurait pu être au shot de sa carrière pour une belt en solo, et c'est tant mieux. Je veux dire, euh, malheureusement. C'est T'as abandonné le projet à ce heure-là, tu sais que je dois dire ça. T'aimes Corbin, mais je sais pas qu'est-ce que tu trouves de plus à Corbin qu'à Tatanka. Ben, au moins, Corbin a de la heat, au moins. L'autre, qu'est-ce que Tatanka... Euh, même en babyface, il n'est pas si over que ça. Excuse-moi, Tatanka est très over. Ouais, dans ton livre à toi, peut-être. J'ai pas de livre, premièrement. Puis, deuxièmement. Pourquoi t'as pas de livre, pas de livre La storyline Luger Tatanka qu'on devrait couvrir à un moment donné long, en long et en large, tellement que c'est une des meilleures storylines de la BBF. On fera bio de Lex Luger. Ça arrivera pas, ça. Mais tu vas en parler. T'auras pas le choix. Ouais, je vais parler juste on de on, ça. On fera pas de Tatanka certain, là. Ça va être moins long, en tout cas. C'est ça, c'est sûr, ouais. <laughs> et après ça, on a Interview Time avec. Mingino Cullen! Euh, qui nous laisse pas tranquille. Hein? Non, il est pratiquant. Ouais. Et, et avec les frères Steiner, Rick et Scott. Euh, Scott dit que lui et son frère sont excités de leur premier WrestleMania et qu'ils mm -hmm. vont s'arranger pour que ça soit compris par les Edge Trinkers. Et après ça, Dick, euh, Dick, Rick dit qu'ils sont imprévisibles, les Edge Trinkers, mais qu'ils ont un plan. Et c'est de faire ce qu'ils font de mieux, et c'est lutter. Mm. Et ils vont rendre juste César juste fier d'eux autres. Euh, après le combat. Ouais. Alors voilà, des débuts modestes pour les Steiner Brothers. Ça euh, avait ouais, été ouais. Euh, les meilleurs promos, là, à part évidemment quand Scott est devenu Big Papa Pump. Là. Ouais, mais Rick en a eu des bonnes aussi de blessé pas je... quand je dis qu'il a pas les bonnes promos, je ne parle pas que c'est dégueulasse. Il, il, il est capable de mettre leur point, leur point, leur point across. Là. Il est capable de, dire des, de faire des phrases complètes sans avoir des câbles. c'est juste qu'il n'y avait pas tant de. Tu sais, il était correct. Oui, puis il n'y a pas tant de build-up non plus pour ce match-là, là, dans le sens que c est, c est, c est, sur papier, tu fais comme Ah, oh, ben ouais, c'est un, un match que je veux voir. Puis ça, c'est un peu le, le thème de WrestleMania 9 sur papier. Puis, ben, tu regardes le, le show, tu fais comme Waouh, c'est beau. Sur papier, ça, hey, ça va être bon ce match-là. Ce n'est pas dégueulasse, dégueulasse, mais j'ai vu pire, là, mais il mmh. y a des affaires qui ne font pas de sens. Là. Ah, ouais, ouais. ok, Je cinglant <laughs> sur le match déjà. Comment? Je ne pensais pas que tu serais si cinglant pour le match déjà. Je ne parlais pas du match. Moi, je parlais de la carte. Ah, oh, ok, ok, j'espère. Parce que oui. ce match-là, c'est parfait. Oui, il y a un bon oh, ouais. match. Oh, ouais. Non, c'est correct, mais tu as dit que c'était bon, que c'était pas ah, super. Non, non, non je ne parlais pas du match, je parlais de la carte. Ok. En mm -hmm. fond, la storyline, c'est que les Saints Brothers euh, montrent tranquillement les échelons pour donner ouais. Aspera numéro un, qui bat toutes les tag-teams. Ils avaient battu les Beverly Brothers de Rumble 93 le 2 mois. Puis là, c'est les Shrinkers. Ouais. Ils montent l'échelle. Oui. Alors, match numéro 2. Les Steiner Brothers contre les Edge Shrinkers, accompagnés de Afa, ouais. évidemment, l'oncle de Roman Reigns. Deux de mes tag teams que j'aimais beaucoup dans les années 90 à WWF, pour vrai. Là, regardez oh, ouais. les, ces deux tag teams-là, j'appréciais. Puis on sait que les Steiner, ils ben, sont petits bébés. Ouais. Et on a, un euh, on a une première à la WWF, le premier Slobber Knocker dit par Jim Ross au commentaire. Et après ça, on a Scott qui met Fatou au sol par les jambes et après ça, s'en prend à son bras. Et par exemple, il s'en sort avec des coups, de des coups de tête à la poitrine de Steiner. Sauf que Scott fait flipper Fatou en close line. Le vrai Ricky Shibum pour vrai. Ouais. Et parlant de line, après que les trinkers sortent les frérots euh, en bas du ring, ils leur tournent le dos ils font des tonnes à la foule. Et pendant ça, les Steiner montent dans l'autre coin, un à côté de l'autre, Et quand ils se retournent, ils font des beaux Steiner Lines. Qui était un coup-spot pour elle, c'était nice. Mm -hmm. Et les rétrécisseurs de tête. <laughs> euh, renverse la vapeur en envoyant euh, Scott en bas du ring tête première sur le coup puis on le voit là, vraiment là, quand il, le quand le bomb se fait là tu vois en plus Fatou il tire la corde fait qu'il il un okay, coup ouais. là ouais le bomb là ben oui Chris oh my god on se genre, peut, il aurait pu se péter le coup plus, là. puis il essaie de pogner la corde puis l'autre il la penche fait... Ça aurait été intéressant mal. de voir l'autre angle de caméra, par exemple. Ouais, mais tu vois, quand il, est, euh, où il monte tout à après, puis il se tient à la tête de même, fait que c'est pas mal sûr qu'il est tombé sur ouais, le coup. Était... Hein. D'après moi, c'est une commotion dans ce match-là. Ça expliquerait ouais, ça... pas mal de promos par la suite. <laughs> ça... Quoi? Bah, je l'ai qu que... dit, la. Problem for you, Joe, at sacrifice. <laughs> c'est là qu'il tient sa gagne contre les Subwovens. <laughs> c'est vrai, hein? <laughs> « Wow! Storytelling! <laughs> » Exactement. dog storytelling. Et À fond, on en rajoute avec un coup de candlestick qui direct dans le dos de Scott Steiner. Et après ça, Jim Ross dit que Luna a attaqué Sherry Martel dans le bureau du médecin. Et Bobby dit <laughs> « Super! » <laughs> C'était pas cool? Non, super. OK, parfait. Puis on le voit pas, évidemment, euh, dans l'attaque la, de Sherry, mais dans le sum vidéo du pay-per-view, il le dedans sur un exclusif qu'il y avait dedans. Ouais. Et les Headshrinkers coupent le ring en deux, comme des chefs, euh, comme des Tribal Chiefs. Ouais, ils Et, ont atteint euh... dur en plus, eux autres. Oui. Et Fatou qui est rendu avec tout un afro rendu au lieu du match, c'est malade. Ouais. <laughs> genre gros de même, là. <laughs> T'es qu'un en Fatou. Oui. Et euh, après ça, euh, il fait un super kick à Scott euh, en pleine poire. Sauf qu'après ça, Scott se tasse d'un coup de boule de Samo de la troisième corde, et après ça, il va faire la tag à son frère Rick, qui est une maison de feu. Mm -hmm. Et juste à temps qu'il fasse l'erreur de cogner les tags des Samuens ensemble, évidemment, il ne faut pas faire ça, parce qu'on a la tête très dure. Ouais. Ils font à Rick en même temps, en lui leur caboche. Et après ça, un double face buster des Edge Shrinkers, qui est pratiquement le, le finish double J, le stroke, le face mm -hmm. first, là, le, le genre d'STO de, ouais. de, à l'envers. Et Fatou met Rick sur ses épaules pour, pour que Samo saute de la troisième corde. Mais quand il fait ça, en plein milieu, wow. Rick il balance ses hips, ses, 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 hip, ses, 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 ses hanches. puis il fait un power slam à Samo qui est dans. C'est fou là. Ouais, c'est C'était plus un belly-to-belly belly, en fait, là. Mais non, ouais, euh, c'était. Ce, ce spot-là était. Comme ça. Ouais, ce spot-là était écœurant pour vrai. Là. Ouais, c'est genre l'équivalent de, de, des matchs Lucha Bros, le ouais. box que tu verrais aujourd'hui, puis tu ferais comme Ah oh, ouais, on fait ça dans le temps, c'était vraiment, vraiment ouais. beau. Là. Ouais. Un, spot, euh, <laughs> un spot que tu verrais, verrais aujourd'hui, ah oh, c'est normal, mais dans ce ouais. là, c'était spécial. Ouais, vraiment. Et après ça, on a un belly-to-belly belly de Scott sur Fatou, Super Kick de Samu euh, sur Scott après, puis il projette euh, Scott qui renverse. Et au retour, Hurricane Runner ou bien le Frankensteiner, un peu patchy. Et c'est là que ça venait ton, ton point de tantôt, là. Ouais. C'est ça. Ben, fait que la victoire des Cyber Brothers se fait à WrestleMania 9 Donc, belle victoire pour les frères Steiners. Ouais, comme je disais au début, deux de mes équipes préférées. Un match que j'ai bien aimé regarder. Un match qui était quoi? 14 minutes euh, non. Euh, ouais, 14 minutes 22. Ça a passé euh, vite, pour un 14 minutes. Ça 22, a passé vite. Ouais. C'était à date, là. Que je regarde les deux premiers matchs, je fais comme ouais. OK, ils, ils sont en un roll, là, quand même. Ouais, c'est quoi, j'entends? Oh, L'avion qui. Oh. qui... Oh, ça approche, hein? Ouais. Là, c'est le reste du show. <rire> <Okay>. <rire> mais, pour vrai, euh, moi, j'ai vraiment adoré ça. Puis, euh, tu sais, c'est sûr que les Edge les pas facile. Tu sais, le, le style avec les star Brothers, c'est un peu différent. Fait tu sais, mettons, le botch, c'était pas un gros, gros botch. Ça, ça sort quand même bien. Mais, tu sais, c'est pas le, le Frankensteiner qu'on est habitué de voir. Mais... Mais, quand je dis un botch, c'est parce que, genre, ce cas, ouais. tu sautes. Puis genre il lâche, c'est ouais. ça il lâche midway, puis l'autre il fait juste flipper comme si genre ouais. il, faisait un, il y a quand, un, quand même un un une catapulte entre les ouais, deux. Ouais, c'est correct. C'est pas, pas le pupé des bots, juste que ça a l'air un peu, un peu fake. Là. Bon. Ouais, c'est ça. Mais bon match dans l'ensemble, puis au moins il y a un finish. Fait que c'est le fun. <laughs> ouais. Un très bon match avec des beaux moves. puis euh, ouais. C'est ça, ça qui a résulté l'opener, à mon avis. Là. Ouais. Ben, au moins, parce que celle-là, au moins, il y a un finish clean, là. Ah oui, pour ça, oui. oui. Puis, il y a fait des screens, puis l'action est un peu plus rapide, à mon avis, aussi. Ouais, J'ai l'impression que dans le temps, c'était pas tant checké ils s'en foutaient un peu. Non, non, je, je, je comprends. Là, je mais oui, 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 oui. Si j'arrive, je j'aurais été vite dans ça, si j'aurais fait, mais en même temps, c'est pas, pas la fin du monde. Là. Ok, d'amite. <laughs> ouais. Et les standards vont être dans Talot Picture après ce soir, évidemment. Puis vont être les champions deux fois jusqu'à leur départ en juin 1994. Oui, un an plus tard. Oui. Et, et des poussières. Oui. Et quelques mois, oui. Et après ça, on a interview time avec Michel O'Connor et Dunk the Clown. Mad euh, ouais Oui. Et derrière eux, il y a une statue de Jules César que Dunk a vandalisé avec mm -hmm. son maquillage et sa perruque verte. Puis Dunk dit tout ce qu'il veut, c'est partager son sens de l'humour avec les gens. Et Jane lui dit qu'aujourd'hui, c'est peut-être Crush qui va rire en dernier. Oui, Dunk, évidemment, le nouveau Mattel Creations qui est sorti. Mais pas, pas Creations, Mattel. Euh... Ouais, c'est ça, Mattel Creations. Non, Creation, ça c'est l'autre ça. Non, c'est ça. OK. Bon, j'ai rien dit. Et oui, et évidemment, Gene, dit il dit que Crush va être celui qui va rire en dernier, peut-être aujourd'hui. Évidemment, évidemment, Dunk, là, il prend son live plus sérieux. Evil Dunk Trump. répond. Oui, et Dunk répond que Crush va probablement voir double à la fin de la soirée. Puis il lance de l'eau dans de, de sa fleur qu'il a sur le, le chest. Amine Gene n'est pas en riant. Et le Evil Dunk était vraiment, vraiment divertissant. Ben, c'est la meilleure version de Dunk, là. Oui, facile, ben oui. Pour vrai, euh, Born fait une nice petite belle job là-dedans. Puis, tu sais, un clown. Tu un clown, c'est drôle, c'est une fête d'enfant, mais ça ne devrait pas être drôle. c'était un peu un clown. Ça dépend, ouais, comment tu l'apprêtes tu sais. Oh, ouais. Moi, je trouve que c'est une version aussi qui ressemble un peu. est euh, un peu jouée comme Jack Nicholson quand il faisait son Joker. Là. Oh, ouais. Ben, tu sais, c'est un clown, c'est sûr que là, la comparaison est facile, mais ouais. la, de, de, dans son delivery, je trouvais que ça, ça ressemblait pas mal. Évidemment, ça, ça nous mène au match numéro 3. Tank the Clown contre Crush Chakabra. Oui, puis euh, si vous avez écouté sur Patreon, le Go to euh, WrestleMania 9, WrestleMania 9, les, vous avez vu pendant que je mange ma pastille, hein, à mon tour. Une super belle promo, t'as un peu. Une okay. super nous belle promo. Tu ne seras pas content. Oui, je sais. The Crush dans l'eau. <laughs> Où ce qu'il va chercher des... Euh, C'était quoi déjà des... Des pieuvres. Des pieuvres, oui. Puis il dit qu'il va euh, il va crusher le cerveau de Crush, mm -hmm. de Dong parce que c'est son finish, avec, comme qu'il a fait avec les pieuvres. Puis euh, Dans le fond, il dit qu'il va qu'il va se venger un peu de dung, puis il va, il va lui donner une leçon pour avoir fait peur à tous les enfants. Euh, tu sais, c'est un peu comme un, un genre de super-héros euh, contre le clown méchant. Mais tu sais, c'est très, très vague comme storyline. C'est très. Premier degré, là, avec le costume de Crush qui est très éclatant, mais encore là, euh, je trouve que Crush a l'air quasiment d'un figurant à côté d'Evil de Dunk. Là. Il a arrangé la teinte de mon, mon écran quand j'ai vu Dunk contre Crush. Là, beaucoup de couleurs dans ce combat-là. Ouais, c'est. Ouais. Mais tu sais, c'est encore là. Hein? T'as oublié le meilleur boot. Lequel? Ben, L'affaire, c'est que Dunk enlève son bras pour frapper Crush. Mais son faux bras, là. Ouais, t'en as pas parlé là-dessus? Ben, j'ai pas fini de parler. Ah, oh, je pense que j'avais fini, excuse-moi. Vas-y. Ben, là, tu l'as dit, là. Trop tard. Alors, dis-le à tes mots à toi, ah non, là. Correct, ah non, là. Ah non, c'est beau. là. Pas ça de même il, son, il a enlevé son bras, il a frappé dunk, c'est ça. C'est un beau tour de magie. Ouais. Puis Vince au commentaire avec Oh mon Dieu, il a enlevé son propre bras pour le frapper. Ben oui, il épais. Bon. Ouais, fait qu'évidemment. Justement, c'est ça qui avait fait que Crush avait été au Rambo 93 à cause de l'attaque de Dunk, justement, puis une belle petite commotion. Des ouais, choses ben, qui arrivent. Crush, ouais. euh... C'est Crush, là, tu sais, à part avoir attaché les pieds de Match Omen à WrestleMania. Ouais, c'est le contraire, mais oui. oui. C'est pas un Bum. Non. <laughs> le salut crush Adam Bum tout... qui nous écoute. Toi. Oui, il nous écoute, c'est sûr. Oui. Oui. Crush est trop fort pour le clown dans les premières 2-3 minutes du combat. Mais je crois que Dunk guillotine Crush sur la troisième corde. Il va a il voit sur l'offensive avec des coups de. En tout du coin, des coups de, des coups de poing, des marques, des double axe and d'autres, tout le kit. Mm -hmm. Marteau Pilon réussit après ça sur Crush. Et pas longtemps après ça, Dunk essaie un corps croisé de la deuxième corde. Mais Crush l'attrape et fait un beau power slam pour counter ça. Et il signale pour le Cranium Crunch, là, qui est vraiment quand il croise la tête avec, le, avec ses deux mains. Et euh, Dunk sait qu'il est dans le trouble. Et du même coup, euh, va dans les cordes et donne un coup de coude à l'arbitre pour, de, 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 pour que l'arbitre fasse sonner la cloche. Un solide. Ouais, pour vrai. Et crush le refait encore euh, une fois, mais Dunk arrive par derrière. Ben c'est pas Dunk, qui est à terre. Comment ça pour Dunk est à terre puis un autre Dunk qui arrive. Ben, il voit double, euh, double vision, un autre Dunk arrive et frappe encore euh, Crush avec le bras euh, qui est en question de la dernière fois euh, une coupe de mois. Et mm -hmm. deux fois, même que l'autre Dunk se réveille et pointe l'autre, euh, Crush euh, dans ses bras pour que l'autre la frappe avec. Euh, et après ça ils font le spot euh, quand je les attends, ils font le spot du, du, du mime là euh, c'est malade. Et <laughs> ouais. évidemment après ça euh, l'arbitre se réveille juste à temps pour que Dunk fasse le compte de trois et Dunk gagne le combat. Et après ça un autre officiel qui arrive euh, ben, qui dit à l'autre euh, qui arrive comme quoi euh, que Dunk est caché en dessous qu'il y en a un autre euh, mais malheureusement il ne le trouve pas. Et c'est comme ça que va se terminer l'angle. Puis évidemment, euh, tu sais-tu qui faisait l'autre dunk euh, dans ce segment-là? Oui, c'est Ah, euh... oh, j'oublie son nom. Oh, j'oublie son nom, je sais c'est qui. De... Non, Joël. Tu, tu passes Brooklyn Borough dans la tête, c'est ça? Non, c'est pas le mais OK. Non. Non, c'était Skinner. Ouais. J ai, j ai... Le P c'est que je le savais, je ne l'ai pas marqué. Okay. Je me suis dit, je m'en souvenais, puis <laughs> voilà, ouais. c'est ça qui est arrivé. Sinon, ouais. euh, match, match très ordinaire. Là. Le spot du Double Dunk était cool, mais à part ça, c'était pas... pas super. Là. Mettons qu'une chance que Evil Clown était là, Evil Dunk était là, parce que sinon, ça aurait été vraiment. Ben, tu sais, le match n'a pas été long, c'est comme 7 minutes, 8 minutes, moins 8 minutes quand même. Puis, ouais. euh, c'est ça. À part être diverti par un méchant clown, euh, très ordinaire. Exactement. Euh, à oublier. Oui, c'est le début et, de la fin. Euh, parlant à l'oublier, euh, prochain segment. Todd Penengil est dans l'assistance, euh, en train de faire un petit sondage, savoir s'il y avait deux doinks. Euh. <laughs> il demande à des photographes japonais. Euh, <laughs> et voici leur réponse. <laughs> Ça, ce segment-là, il m'a fait rire à toutes les fois. <sighs> Sir, were there two doinks? <laughs> uh, how are you enjoy your stay in the US so far? Las Vegas, number one. Caesars Palace, number one. Et la personne fois, il a juste le fait, hey, Yokozuna. Ah, Yokozuna, haha, number one. Colin, c'était malade. Tu sais, c'est tellement con que c'est drôle, mais c'est tellement... <laughs> Raciste, surtout. C'est tellement gratuit puis ça veut tellement... Ah, oh my God, c'est dégueulasse. Pour vrai. Allez voir ça pour vrai. C'est divertissant, Chris. Ouais. Oh, mais combien racisme. <laughs> ouais, ben au moins, c'est pas comme si c'était les Américains qui avaient fait les Japonais non plus. Là. Non. En tout cas. Bref, match numéro 4, un combat entre Razor Ramon contre Bob Backlund. Et mon cher TJ, je, je, je vais te je voler un peu ton punch parce que il n'y a pas vraiment de storyline, mais c'est le premier match des deux hommes à WrestleMania. Premier match de Razor Ramon et premier match de Bob Backlund. Bob Backlund qui a été champion pendant quoi? Trois ans. Deux ans. Trois ans, ans peut-être même quatre, ouais. même. moins quatre ouais. ans. Puis, euh, mais mille, mille quelques jours. Puis, euh, plus que mille quelques jours. Puis, euh, évidemment, il n'avait jamais participé à un WrestleMania. C'est son retour à la WWF. Ou dans le territoire de Vince, si on veut. Dans, dans certains sens. Puis, euh, ben, affronter le début de Razor Ramon qui avait débuté juste un peu avant, avec ses vignettes qu'on connaît très bien euh, du Razor. Donc, euh, sur papier. Octobre 92, à peu près. Razor, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas longtemps avant, c'est mars. Fait que... Non, non, non. Il avait lutté quelques matchs pareils, là. Oh. Euh, Mais c'est ça. Sur papier, moi, j'étais comme « Oh, je sais, je me souvenais pas de ce match-là pas tout. » J'étais comme oh, « mm -hmm. ça va être intéressant à voir. » Ben, tu nous diras qu'est-ce qui s'est passé 3 minutes 43 plus tard. <laughs> ouais, c'est ça. Et la foule <laughs> est 100% derrière Ramon pour le combo, même si c'est lui le heal. Parce qu'évidemment, ouais. il commence à être over avec la foule parce que Razor Ramon, il coude. Il coude, exact. Ouais. Et Razor l'attaque avec des punches stiff sur la tête de Bob. Et l'ancien champion de la WWF revient avec des bras à la volée et un solide coup d'avant-bras. Les hip ouais, sont euh... dégueulasses. Ben, c'est ce Hall. Il... Ben, c'est parce que l'affaire avec, avec Razor Ramon, à l'époque, quand, était... quand il était ill, il, oh. bumpait, Go... il bumpait Goofy en STI, là. Il était de même. C'était quasiment, était quasiment ouais. du giant Gonzalez selling, ces affaires-là. Ouais, mettons que, ben, tu sais, plus tard, ces matchs sont vraiment plus solides, là. Même, même à WWF, là, c'est juste que là... Euh... Puis je sais pas si Backlund manquait de force pour lui donner un petit peu la... La projection pour leptos malgré que leptos était quand même censé pouvoir le faire tout seul. Oui, mais, ouais, mais je, même à ça, je trouvais ça cool, la façon que le, que le move se faisait. Là. Okay. Même si le bump n'avait pas l'air trop safe pour Razer. Pourquoi ben, Parce que je trouvais ça avait l'air d'avoir de l'impact. Okay. Comme s'il si, comme garochait vraiment dans les airs. Là. Okay. Ouais. Et après ça, on a une souplesse papillon de M. Backlund, suivi d'une goutte atomique. Mais malheureusement pour Bob, Razer renverse avec une, une tentative de slam avec un petit paquet. Pour le mmh. compte de 1, 2 et 3. Il a battu le avec de la lutte euh, en moins de 4 minutes. Hum. Pas très bon ce match-là. C'était court au moins, mais j'ai pas aimé ça. C'était correct. C'était pas le pire match. C'était correct. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Mais ça va dans la lignée de tout ce qui s'en vient de. Tu sais, mettons les 4 matchs, l'un à la suite de l'autre. Ouais. Mais le pire, c'est que c'est. Non. On c'est le meilleur match, mais c'est pas vrai. Il y, a un, il y en a un qui va être bon dans ce, dans ce, dans ce série là Le prochain qui s'en vient. Oh, ouais, ouais, euh, c'est ça. C'est la première défaite de Bob Backlund par tomber à la WWF en carrière. Fait que quand même, c'est pas un petit fait d'armes pour Razer. Ouais. C'est cool parce qu'on sait que Razer a quand même une belle carrière par la suite. Ouais. C'est un, un des premiers à être cool aussi. Hein. C'est lui qui a, ouais. qui a mis le, le, le mot cool sur la map, son si jeu. Puis Razor, en plus, ça avait, quoi, ça fait le couple de jeu que ça faisait un an qu'il est décédé, malheureusement. Ouais, Donc, vraiment, euh, ouais, ouais. Je trouve que, tu sais, souvent, on... quand quelqu'un qu'on connaît décède, on fait comme Ah, c'est triste, tu rest in peace, etc. Mais c'est fait partie un peu de notre adolescence, tu sais, DX, puis NWO, puis, tu là, mm -hmm. oui, c'est WWF, mais on s'entend que quand il est arrivé avec la NWO, nous autres, on était dans l'âge de comprendre vraiment la lutte, puis c'est là que ça a été cool d'aimer la lutte aussi, dans, dans ouais. ce temps-là. Fait que. Hmm. T'as le, le, cool en fait. le mot cool dans pas mal, je trouve. Comment? T'as le mot cool dans pas mal, je trouve. Ouais, ben prochaine bio, c'est Carlito. Que... Ah, cool. <laughs> non, c'est pas vrai. C'est pas ouais. Carlito. C'est pas cool. Uh, interview time avec BJ Docullen, avec Money Inc. Uh, yes, les chameaux enfin. défendants par équipe. Uh, et de... Money ouais. Money. Et Debiasi dit qu'il entend pleurer au gun depuis des semaines. Uh, et à ce soir, c'est put up or shut up. Uh, et Las Vegas, c'est la ville de l'argent. Et comment qu'ils vont faire pour battre les, még euh, les méga morons pour les battre dans leur propre cours? Et RS dit qu'ils vont arracher le masque de Brutus et lui démolir encore plus le visage. Il va ressembler à, des, à, un, à un puzzle avec des pièces manquantes. <laughs> nice. Je répète à R.S., mais c'est une des premières promos que j'ai vues de lui. Ah, c'est Trammy, je veux des bonnes promos. Il bon, m'en rien d'autre, malheureusement. Il euh, dit que Hogan a, un petit... <laughs> Il a eu un petit accident en sortant du gymnase hier et qu'il dit que quand tu de l'argent, des choses de même peuvent arriver. Et si tu penses que la face de beefcake est scrap, attends d'avoir celle du Hulkster et Évidemment, demande des de conclure. <laughs> Mais là, avant qu'on passe au match numéro 5, c'est ça? Oui. Il faut en parler de, du black eyed Hogan. Parce qu'il y a deux versions. Vas-y, je te laisse. Euh, Il y a la version d'Hulk Hogan. Qui lui, c'était euh, un jet-ski, un jet-ski jet jet ou un, ouais, un jet-ski, ouais. il s'est blessé en jet-ski. Évidemment, une version... Euh, jet-ski Ventura? <rire> <rire> quasiment la version de, genre, j'ai déboulé les matchs où mon, mon chien a mangé mon devoir. Euh, dans le fond, une version de menteur. Fait que si on regarde un peu la carrière d'Ole à ce niveau-là, on a des doutes. Même si Je crois pas, de la... tu... Fait que tu crois ouais. pas au Hogan. Et la deuxième version, <laughs> que Match Omen l'aurait punché euh, backstage après, euh, ben, évidemment, tout ce qui entoure Miss Elisabeth, qu'Hogan se tenait avec Miss Elisabeth puis la, sa femme à l'époque. Puis euh, ça, ça avait été rapporté par un lutteur, ça, backstage, euh, qui avait rapporté à Savage que Hogan euh, voyait Elisabeth à l'extérieur euh, avec sa femme. Je mm -hmm. me souviens pas c'était qui, par exemple. Je ne je... pourrais pas dire. Ah, faire. merde! C'était qui le, le, le lutteur que, qui avait saoulé euh, Hogan? Je ne pas. Parce que j'essaie de, de le retrouver, mais je savais c'était qui. Mais, pas qu lui même. C'était pas Beefcake lui-même? Non. OK. Mais non. Beefcake bon, en fait ça. J'avoue que ça n'aurait pas ça. été smart de lui. là. Il dit Beefsteak. <rire> <rire> Whatever. Même chose. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que, euh, laquelle version tu crois, toi? Euh, ben, un jet ski, c'est un peu fort, là. Ben, je le verrais avoir un accident de quelque chose puis qu'il y a un black eye dans même. Ça se peut. Matt Ben, je crois, je crois Hogan partiellement. Est-ce que Matt Schumann avait parlé de ça? Je sais pas s'il en a parlé de ça. Ben, je sais que même dans le show, euh, il n'avait pas l'air à faire des, 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 petits, des petites pointes à, à Hogan. Là. Il était vraiment pro Hogan dans ses commentaires. Tu ben, dis de ça, Matt Schumann. C'est Roman... un professionnel, non? Oui, mais il l'a déjà fait euh, par après à, à Euro. Il, il a go off sur Hulk Hogan là, quand il était pas là. là. Ouais. En tout cas. Ah que, ouais. oui, je crois Hogan partiellement, là, mais en même temps, peut c'est peut-être aucun des deux non plus. Hmm, peut-être Linda Machon. C'est peut-être Linda qui l'a frappé dans l'œil aussi, puis il ne veut pas l'avouer. Linda McMahon? Non, Linda Hogan, sa femme. Ah ok. Non, vrai. Ouais, fait que le match numéro 5, officiellement, les Money Inc, euh, DBAC et IRS contre les Mega Maniacs avec Jimmy Hart, euh, avec les championnats par équipe en jeu, évidemment. Et ceux qui ont suivi notre podcast durant les dernières semaines, c'est un peu la thématique Nasty Boys parce que les Nasty Boys étaient censés affronter Money Inc., mais dans les storylines, ils ont laissé leur place au retour d'Old Hogan et de, des Mégamaniacs pour affronter Money Inc. Évidemment, les euh, Nasty Boys qui ont, qui ont quitté la compagnie par la suite euh, ils ont manqué leur WrestleMania paycheck parce qu'évidemment, ben, Hogan revenait et Vince voulait avoir Hogan sur la carte. T'sais, en même temps, c'est chi... ouais, chiant pour les Nasty Boys, mais je comprends le côté business d'avoir Hogan, euh... oh, Hogan oui. sur la carte. Sauf que le côté business va prendre un petit peu plus d'ampleur vers la fin. On va en reparler un peu plus tard, mais euh, c'est plate pour euh, les Nasty Boys qui étaient vraiment sur euh, une belle lancée. Puis je pense que s'il y avait été peut-être un. En même temps, ils ont, ils ont causé un peu leur, leur perte dans le sens qu'ils n'étaient pas faciles à gérer, mais. Je pense qu'il aurait pu avoir un, une meilleure run encore en tant que tag team à WWF. Ça aurait été intéressant contre Money Inc. Tu sais, Money Inc, ils avaient déjà battu, mais je veux dire, ça aurait été intéressant de, de revoir ce match ouais. à WrestleMania. C'est quand même une vidéo qui durait depuis ouais. novembre l'année d'avant. C'est ouais. ça, exact. Ouais. L'équipe argent attaque Hogan et Brutus pendant leur entrée, mais les maniacs se débarrassent d'eux et continuent leur entrée sous la façon d'Hogan qui n'a jamais arrêté. Non. Évidemment. Hein. Ben là, il y en a comme ça pendant que la musique joue que des combats, c est, c est, c est, ça. des fois t'as des 5 étoiles à cause de ça. Je, je, la référence ne me vient pas, mais c'est pas. in oh, arena. Oh, oh, des fois, c'est le même année du monde. Je comprends pas. Je bien une expression pour le dire comment je me sens, mais il y a comprendrait sûrement pas. Que... En plus, il y a des, des lutteurs, deux de lutteurs préférés à AW sont là-dedans. Tu sais, ils font tellement Mox. des bonnes promos. Non, non, je parlais de Menor et euh, Parker. Oh. T'as le droit. Okay. Chacun ses préférés, hein? Ouais, ouais, chacun. Ouais, <laughs> ouais, 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 chacun. <laughs> et Money <laughs> Inc. font l'erreur de frapper Brutus le Barbier sur son visage, évidemment. Il y a son masque en titanium, fait que ça y fait pas mal. Euh, Hogan après ça, fait à Debiasse sa bitch. Euh, et ensuite, d'auto d'IRS de... Ben, c'est vrai, là. Quoi? Ben, il m'a donné il... il se fait verloper par Hogan comme qu'il veut. Hmm. Ben, c'est vrai. De façon de parler, là, ah pas oui, littéralement. Reviens-en, ton tête, je peux dire de quoi. Les champions s'en vont... vont vers la sortie pour sauver leur ceinture, peut gagner par can-out. Euh, par contre, Howard Finkel nous annonce que Simone Incorporé euh, s'en vont, non seulement ils vont perdre le match par can mais ils vont aussi perdre les ceintures. Ils changent les règles en plein milieu, c'est pas fair, dit Bobby Inan. Non, c'est vrai que c'est pas fair. Ils se gâlent la pointe. <laughs> Ouais. En même temps, <laughs> si les hills font leur pissou, c'est ça qui arrive. Et là aussi, hein? Hogan ouais. Et ça reste que c'est pas juste de changer les règles de même, là, en plein Je comprends que c'est storyline de même, c'est correct, là, de temps en temps. Là. Ouais, mais euh, ben, la l'affaire qui, qui nous rentre un peu dans la gorge, c'est que ce match-là aurait jamais dû arriver, puis qu'en plus, c'est Hogan. Fait que... Ouais. Et bien sûr, il reste juste temps pour continuer le combat, euh, pour briser le compte. Euh, pardon. Molly Inc. prenait enfin les devants sur Hogan. Un rêve du million de dollars et Hogan commence à tomber tranquillement. Mais après ça, Beefcake met IRS dans le chemin de l'arbitre qui va essayer de le sortir. Pendant ce temps-là, Beefcake va faire un sleeper hold à Debiasi pour que les deux soient out pour un double down. Évidemment, après ça, on a le tag à Beefcake, qui est une maison de feu lui aussi, jusqu'à temps que Debiasi le frappe avec sa valise Ali dans le dos. <laughs> un gros coup d'Ali et uh, DBSC lui enlève son masque euh, Après que Beefcake euh, ben, Après ça Et Beefcake s'en sort avec une, look, une double line Sur Money, euh, sur Money Inc euh, Qui prend un beau bump là-dessus Et, Et Beefcake ça, il, vendait pas les, il vendait pas les mots Jusqu'à temps qu'il enlève son masque dans le fond quasiment bah, En même temps c'est correct là ouais, mais... Storylinement parlant au, Au moins c'est une histoire dans le match Qui, 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 qui est correct là. Ouais C'est juste peut-être parce que si Beefcake ça m'énerve Ouais peut Oh, c'est sûr, mais en même temps, c'est correct. Et après ça, Brutus, va d'un sleeper sur Irwin, mais Ted le frappe par derrière et tout le monde dans l'arène sont par terre, écriant l'arbitre Earl Ebner, qui, évidemment, qui était dans le chemin du coup d'Ebiassi. De, de, et autour du Hulkster et du Dolorameux de se, fa de se faire face, et euh, Monsieur Hogan frappe Ted et, et Harris avec le masque du barbier. Il le couvre l'Ebiassi pendant que Brutus spinne Irwin, mais malheureusement, l'arbitre est au sol. Jimmy Hart à Burke dans le ring et ravire sa veste à l'envers pour montrer une veste bariolée d'arbitre et avec des lignes noires des lignes noires sur, un chandail, sur une chemise blanche. Il fait le compte de trois. Évidemment, les méga maniacs célèbrent comme des idiots, évidemment, bien sûr. Ah, sûr. Mais oui. Avec les belts en plus, hein, les bien brillants. Il faut vraiment cette belt ne sais pas comment ça marche encore. Il okay, manquait juste les ballons, puis c'était parfait. <laughs> oui, c'est ça. <laughs> Arrête donc d'écœurer mon chum Lex. On en parle prochainement. On va voir tantôt. Yes, sir. Il y a un autre arbitre, Danny Davis, cette fois. vient lever les bras de Money Inc. Il dit qu'il gagne par disqualification. Ce qui est, ce qui est, ce qui est fair. Hein. Il a quand même pris le, le, le masque, frappé les ouais. deux un après l'autre. Hein. Oui. Et des euh, et Beefcake veulent le tabasser, euh, Danny Davis, parce qu'il fait sa job. Hein, les Babyface. Euh, euh, N'importe quoi, pour N'importe quoi, ce match-là. Hein. Mais heureusement pour Money Inc. Jimmy Hart est là pour les raisonner. Et après ça, il sort l'arbitre lui-même. Hein, fait un autre Babyface. Hein. Et euh... le peu de la, la danse, ce qui est drôle, c'est que Danny Davis avant était avec Jimmy Hart là, dans le temps. Hein? Ouais, ouais. Ah. Puis euh... c'est eux autres les Babyface en passant. Je vais vous, vous le rappeler. C'est vraiment. Je juste... euh... trois fois, que tu le dis, mais d'après moi, c'est eux autres les Babyface. Ouais, what a bunch of assholes, OK? <gresse> OK. Et Hogan must pose et blablabla. Là, on reste là. Je parle pas de Walk Hogan comme ça. On va parler de <gurgne> Hogan si je veux parler de Hogan de même. Il y a une affaire que, que j'ai remarquée oui. dans, dans le match que j'ai trouvé pénible et long à regarder. Euh, <laughs> que j'ai vu que je, que je. IRS? Non, arrête donc. Okay. que, que J'avais <laughs> remarqué même à l'époque que j'étais un kid avec les euh, Collision vidéo Hogan oh. pis, euh, Ted et Ted Debiasi, je trouve qu'ils ont une belle chimie ensemble. Mm -hmm. Mm -hmm. Sur le ring. C'est bon ouais. juste mon point. C'est que quand ils sont ensemble sur le ring, je trouve que ça donne quelque chose de pas bah Ben oui, je suis d'accord là-dessus. Euh, ouais, c'est juste kids. ça. C est, c est, bon ouais. Ni chaud ni froid, c'est ça. OK. Sinon, le match, d'après toi? Il est Chris. <laughs> un Moi, ramassis de dis... n'importe quoi qu'on dirait que tout s'est décidé juste avant l'entrée. <laughs> <Peut -être rire> c'est quasiment ça. C'est quasiment, quasiment un audible qui a été collé quatre fois dans, dans, dans le match pour voir, OK, finalement, on va faire ça. On hein, enlève le masque. On dirait qu'il savait vraiment pas ce qu'il allait faire. Mais c'est parce qu'à tous les fois, il a dit de à Hogan puis il dit un affaire, « I don't do ouais. brother. It doesn't work for me, brother. <laughs> » Il changeait quatre fois. Ouais, ouais. sinon euh, un match Bobo show là, mais heureusement là, à, leur, à leur crédit là, quoi que c'est à leur crédit qu eux autres, que, que tant que ça là, mais la foule était vraiment over pour le match là, était dedans là. Ça fait que le match a passé un peu plus mieux là. Ouais, Ogun avait encore un, un peu de sympathie à l'époque ça, ça, ben, ça, ça reste Ça reste Ogun, c'est ça exact. Puis tu la foule de, de là-bas, je pense pas que c'était sensiblement juste des fans de lutte là. C'était beaucoup de touristes puis d'attractions puis ouais. oh, il y a un show de là on va aller voir ça là. Je pense pas qu'il y avait grand, grand fans de lutte et réduire dans l'assistance. C'est sûr que ça aide dans ça. Là, tout le monde le connaît. C'est facile. Oui, puis le Nevada, c'est plus, plus un territoire qui est, qui est connu pour la boxe, puis ses, ses grands ouais. combats de boxe et la lutte à l'époque. Mais maintenant, je dirais que c'est plus 50-50, mais la boxe a toujours été plus populaire là-bas. Ouais. Et sinon, un autre DQ, un autre DQ d'un finish quand autre, peu importe comment vous appelez ça. Oui. Exact. Très, très, très décevant. Ouais, ça aurait pas été pire Rogan aurait pu gagner euh, la belt <rire> <rire> il aurait pu gagner toutes les belts <laughs> hey Sean <laughs> wow et après le combat on a l'interview time avec Todd Pedengill, avec la chanteuse Nathalie Cole et aussi Dan Rickards le CEO du C palais de César il n'y a vraiment rien à sceller là-dessus là. c'est des petites entrevues non. qui veulent rien dire là. ouais Et bonne elle est bonne et fine elle capable oui et après ça on a l'interview time avec Michel O'Cullen qui est de retour avec Monsieur Perfect cette fois-ci Mm -hmm. et, euh, Perfect dit qu'il est sur une lancée ça, depuis cette semaine avec euh, un trou d'un coup au golf euh, <laughs> et aussi il est, il est chaud à table du casino. Et, euh, ouais, il est exactement ce qu'il dit qu'il est et c'est parfait. Et ce soir, le l'exercice le le, le Lex Luger il dit Mean Jean parce qu'il euh, aime bien dire ses mots. Mm -hmm. Et c'est WrestleMania, il regarde bien ce qui va se passer et il vient de prouver que, après, après tout, il n'est pas si parfait que ça match numéro 6 euh, le Narcissus Lex Luger affronte Monsieur Perfect ouais oh, ben Luger qui, qui était euh, WWF avec sa, sa gimmick euh, du Narcissus avec euh, les débuts de Bobby Hinnon qu'on avait déjà regardé sur Twitch l'année passée qu'on avait eu Bates one <laughs> c'est l'année passée quoi. Ouais. On a pas, surtout, je crois qu'on l'a reviewé, c'est pas pareil. Oui, mais on avait regardé sur Twitch la vidéo aussi de, de, son, de son arrivée. Ah, oh, ben on l'a vu dans, avec le, le Go Womb, le March Hawaii. Ouais. Ouais, ouais. Exact. Ouais. Fait que euh, je trouve que c'est une gimmick qui va beaucoup mieux que la gimmick nice. de Monsieur America. C'est vraiment nice pour lui ouais. comme, comme gimmick. En plus, la toune était cohérente pour lui. Oui, je trouve que ça y va vraiment mieux. Que c est, c est... Je pense que cette gimmick-là aurait eu un plus gros succès. Je comprends le face turn, là, mais il aurait eu un plus gros succès à WWF avec cette gimmick-là. Je pense qu'il aurait eu. Je pense tu aurais pu l'envoyer contre Hogan Heel. Ça aurait été bon. Mais bon. Ça aurait été un bon euh, un bon vendeur, si on peut dire ça ainsi. Oh ouais. Un marquee match, mettons, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ouais. pas. Il n'y avait pas tant de storyline en, entre ces deux. Euh... Ben, en gros, c'est parce que Bobby Edenon avant il était avec Monsieur Perfect. Puis depuis que c'est ouais, tourné contre lui, ben il cherche quelqu'un pour il péter à la gueule. Fait qu'il a pris Il a pris. L Luger. En fond, parce que Luger, il dit que Bob dit qu'il est, est plus que parfait, l'ex-Luger. Fait que c'est pour ça qu'il est meilleur que M. Perfect. Ouais. C'est pas mal un peu le... le, le, le... Comment je présente ça? Avec Keenan, c'est tout le temps un peu ça, là, que quand, quand son, un poulain s'en va, ben... Il essaie de se manger avec d'autres mondes. Wow, en ouais, temps, ah, c'est le correct, du ouais, manager ça. Hill là, qui veut avoir ouais. sa revanche à tout, à tout prix. C'est ça. Puis on parle de 90, là, on ne parle pas de, de 2023. Que ça commençait, mais c'est quand tu le regardes aujourd'hui, ben, tu fais comment oh, On l'a vu mille fois. Mais ouais, mais à l'époque, tu ne l'avais pas vu tant de fois que ça. Hum. Euh, je, me ouais. je me souviens aussi d'une petite promo qu'il y avait eu. à un, un superstar de maintenant avec les deux. C'est Lou Girl, dans le fond, qui est en train de avec Mijin sur le podium. Puis où ce qu'ils font leur entrevue Il ben, y a genre l'écran juste à côté, mettons. Là. Ah oui, ouais ouais, ouais. ouais. C'est cool puis ça, ça ce setup-là. Ouais, puis euh, ben, Luger, évidemment, il, 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 il répond aux questions de Beijing, genre, passif, là, dans le fond, il s'en fout, il fait juste se jeter dans l'écran le, dans le, dans le, dans le, dans le, géant. Puis Mané, pendant qu'il fait ça, il y a la phase de Perfect qui apparaît, puis il arrête, puis il se regarde comme si, mettons, genre, Perfect le regardait comme ça, genre, par en dessous. Okay. Puis genre, comme s'il était un devant l'autre, qui regardait l'écran, puis il se regardait dans, dans la yeux, là. C'est vraiment nice, pour vrai, comme, comme effet spéciaux. Mm -hmm. Ah, cool. Ouais. Et évidemment, euh, WrestleMania, euh, il n'y a pas grand monde qui a des entrées spéciales à WrestleMania, mais Lex Luger en a une, lui. Puis euh, je sais que tu ne l'aimes pas, Luger, mais elle il nice sur son entrée, ouais. pauvre. Non, non, je vais rien ouais. dire là-dessus. Tu vas voir que dans ce show-là, je, je passe son dos à Luger. Euh, J'avoue qu'il y a tellement d'affaires poche avant que quand tu vois Luger, ce n'est pas si finalement. <laughs> ouais, c'est ça. C'est ça. <laughs> exact. Surtout le badge d'après. <laughs> ouais. Surtout. Ouais. Oui, euh, puis évidemment, ça, la rentrée de le, le, le Luger, c'est qu'il arrive avec quatre jolies demoiselles, euh, vraiment euh, légèrement vêtues. Euh, non, il était plus habillé en bikini, là, bikini doré, puis ouais. euh, c'était vraiment des belles femmes, pour vrai. Là. Tu sais, d'habitude, tu sais des vieux shows, puis tu vois des femmes qui, genre, de leur époque, là, puis tu sais, pas si belle que ça, mais ben, les, les quatre femmes étaient vraiment belles, pour vrai, là-dessus, là dessus là. Puis avec l'effet de, de jour, le soleil, puis le, le soleil qui brille dans les miroirs, ouais. ça donnait vraiment quelque chose de spectaculaire. c'est Tout était vraiment très, très bien cet été. Puis, wow, ouais, c'était une entrée euh, de méga star. Il ouais, n'y a, a pas beaucoup de points forts à ce moyen-là, mais ça, c'en est un. Ça en est un, ouais. Ouais. Puis, euh, a des points forts, oui. D'accord. Puis, ce qui a en plus, c'est qu'ils ont, ont chacun un miroir qu'ils tiennent dans ouais. leur main. Puis, Loger, il flex dans ses affaires. Puis, quand il se tourne vers la foule, il fait son flex. Puis sur les quatre miroirs, il y a des, des flamèches qui partent. fait que C'est vraiment nice. Ouais. Là. Même que tu vois vu que c'est dehors et qu'il y a du vent, tu vois, les flamèches vont un peu de côté. C'est malade pour vrai. C'est vraiment, vraiment vraiment, une belle entrée. Là. La gimmick de Loger Narcissus, c'est la gimmick qu'avait avait pris Chris Masters dans les temps modernes, dans le fond, un peu. Quand même, ouais, ouais. ouais. Un peu quand même. Ouais. Sauf okay. qu'il n'y avait pas de miroir ben, ben, là, Chris Masters, mais c'était le même, même style d'affaire. Même la toune début... était quand même similaire. Oui, au début, il y avait un miroir master, je pense. Je pense pas, il y avait juste sa cape c'est tout. Ça se peut peut-être qu'il y en avait un. Ça me dit quelque chose. Un qui avait un miroir, par exemple, après, c'était Cody Rhodes, quand il était son personnage de beau bonhomme, Dashing Cody Rhodes. Cody Rhodes, je vais vous le rappeler. Futur champion. Non, pas dans ce temps-là, non. Futur champion. Cody Rhodes. Ben, à un moment donné, parce que l'autre, il faut qu'il prenne des vacances, il bat tout le monde. Ben oui, il est fatigué. Il a un choix à tous les six mois, il est fatigué. Il a eu la leucémie deux fois, juste pour te le dire. Ok, mais ça. Ok, mais s'il est capable de lutter, euh, il ne va, va pas être si que ça, Moi, hein? bon, Je te la donner, on en reparlera. Ben là, c'est bien chien, ça. Ben <laughs> là, toi, tu parles de Roman ben, Rush. C'est toi qui parles de sa leucémie, moi je ne parle pas de sa leucémie, là. Vraiment, Il tu besoin de sommeil, je pense. Oui. Euh, un beau, show... <laughs> beau saut acide de Luger. Non, de, de Perfect, envoie l'ex-Luger se regrouper en bas du ring. Oui. Et ça marche. Et Luger se fait. se fait travailler la jambe de par Perfect. Euh, J'ai oublié de marquer un pot. Ça pas. Ça ne marche et pas. Une, une grosse shot de Perfect réveille la foule. Euh, mais malheureusement, ça réveille aussi Lex qui le projette dans le coin deux fois. Puis le dernier, là, au dernier coup, Perfect fait son, un de ses sels classiques. Là, il fait un flip par en avant. Mm -hmm. Et Luger tente de compter Perfect avec le pied dans les cordes, mais l'arbitre, Joey Morella, le voit et il dit d'arrêter. Fait que beau, beau travail de l'arbitre, ouais. euh, quelque chose qui va devenir un peu problématique après, euh, je vais vous dire tantôt pourquoi. Là. Mm -hmm. et, euh, un, un Power Slam pour un compte de deux. et après ça un le comeback de Perfect, il essaie plusieurs prises suivies d'une tentative de tomber, mais à chaque fois le narcissiste dégage, un beau missile dropkick de Perfect, et un, deux, pied dans les câbles pour Luger et après ça, Perfect prend les bras de Lex en backslide. Sauf que Luger réussit à renverser ça pour un backslide pour lui-même. Mais puis, quand il fait le tomber, bien, les pieds de Perfect vont dans les cordes. Malheureusement, l'arbitre ne regarde pas. C'est quelque chose qui a fait 15 fois dans le match. qui a regardé les cordes. Non, ne touche pas il est dans les est d'un cordes. Mais au finish, par exemple, là, il ne check pas. Mais oui, hein. logique. Évidemment, hein, c'est le compte de trois. Même si Perfect avait les pieds d'un cordes, l'arbitre ne le voit pas. Et victoire de Lex Luger à WrestleMania, le narcissiste gagne son WrestleMania début. C'est vrai? Ouais. 93, puis c'est l'année la, d'après contre euh, Yoko, oui? Mmh. Oui, ouais, 94, 1, ouais, un, 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 hein? Wow. Il a juste fait 3 heures sur Mania, l'ex-Luger, là. Oui. 8, euh, ben, 9, 10, 9? 10, 11. 9, 10, 11, oui, c'est vrai. Ouais. 11, c'était contre qui? 11, c'était lui puis Bulldog contre les Blue Brothers. Oh, tabard! <laughs> ouais, il avait pris une méchante drop de 94 à 95, là. <laughs> wow! Ouais, a ouais. Allied je... Powers avec Bridge Bulldogs, c'était une bonne équipe, par exemple, pour vrai, il y avait du potentiel, mais... Mais je vais t'étonner, mais ce match-là, je l'ai quand même bien aimé. Ouais, mais avant d'aller à la ouais. pression du match, ben en fond, euh, après le, le compte de 3, ben Perfect parle un peu à l'arbitre, il dit « Voyons, j'avais le pied d'un les t'as pas vu », puis évidemment, l'arbitre dit qu'il a pas vu, fait que ça reste de même, mais sauf que Luger en profite pour faire un coup de... Dans, il blindside Perfect avec son, son avant-bras. Évidemment qu'on a su une couple de mois plus tard qu'il y avait des, des vis et des plates de métal dedans. Il fallait qu'il porte un petit, un petit, un petit elbow pad de, de rien du tout, comme si c'était pour bloquer quelque chose. Oui, c'est ça. Puis euh, Perfect regarde le ciel là, après ça. Et après ça, Luger met son pied sur lui et Flex et quitte. Euh, flex Luger. Et de retour sur ses pieds. Perfect part à la recherche de l'ex-backstage et après ça, Luger il voit qu'il est en train de discuter avec Shawn Michaels. Quand Perfect arrive. Perfect attaque Luger avec. Il lance un de bois qui était par magie dans, 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 dans le YouTube. C'est bien chemin. placé. Ouais. <laughs> et, et comme par hasard. Euh, ouais. Et HBK s'occupe de Perfect après ça avec des coups de poubelle de plastique d'être sa face. Ça n'a pas dû faire du bien. Mm -hmm. Évidemment, mais c'est ce qu'on appelle euh, un relais de, de, de feud de de Perfect ouais. à Luger, à Luger uh, de Perfect Ash Shawn Michaels. Oui. Puis évidemment, ben c'est ça. Fait que sinon, euh, un match OK, même un petit peu décevant, je vais, je vais avouer. Là. Puis le finish est euh, bizarre comme tu dis tantôt, là, que le ref il check partout, euh, il check tout le temps et il à l'école à tous les fois, sauf à la fin. Là. Je trouve ça un peu, un peu niaiseux. Là. Probablement parce que toi, tu as des attentes quand tu vois lex logger puis moi j'en ai pas, mais <laughs> j'ai trouvé, <laughs> trouvé le match quand même correct puis perfect. Tout ben, ça, il est coqué. Okay. Ouais. ouais correct, pas dans le sens genre, je euh, sais pas sur le bout de mon siège, mais. Je ne me suis pas endormi non plus sur mon signe, comparativement oui. au prochain. Mais euh, non, j'ai ai aimé regarder ce match-là, puis euh, il est dans le top de ma liste pour les matchs of the night. Ce n'est pas mon match of the night, mais il est plus dans le top que dans le bottom. J'ai-tu compté les le, 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 le rips que M. Perfect faisait contre Lex Luger dans le temps? Non. Les jokes. Ben, Luger, évidemment, puis Perfect, qui s'affrontait souvent des house shows, mm -hmm. au lead-up de WrestleMania 9, un petit peu après aussi, là. Puis, euh, Perfect, ce qu'il faisait, c'est qu'à tous, tous les matchs contre Lex Luger, tu sais, évidemment, le, le soupe de Luger, il y a ses bobettes, puis il y a ses, euh, son, ce genre de frange dessus, là. Mais à tous les fois qu'il luttait contre, contre Luger, il arrachait un morceau à tous les fois. Oui, tu Et, me l'avais dit. Peut mener Luger, ouais, Luger, évidemment, à Mané de checker son live. Il me semble qu'il m'en manque beaucoup, depuis un bout. Puis là, il s'est rendu compte que Perfect faisait ça. Fait que c'est un petit coup que Perfect faisait à Luger pour, pour avoir du fun. Ouais, c'est bon, c'est la bonne, ben, au, cam la bonne camara camaraderie. Ouais, au moins, c'est pas un rip violent comme souvent il arrive. Là. Ouais, c'est pas Comme M. Fuji, qui, comme M. Fuji qui, qui fait cuire un chien pour le faire donner à quelqu'un. Ouais, c'est vrai. C'est une légende ouais. ben, urbaine, c'était pas, pas vrai non plus. Là. Ouais, c'est comme l'accident de, de Jessica de Hogan. Ouais, mais un peu plus extrême là, quand même. Là. Ouais, quand même, un petit peu. Ouais, un petit peu. Et euh, fait évidemment après ça, on a une intervention de Graham Monsoon très brève. Et on est prêt pour le match numéro 7, Oh my god! Le Giant Gonzalez avec Harvey Whippleman dans son coin affronte l'Undertaker avec lui Paul Bearer dans son coin. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il y avait de l'air Giant Gonzalez sans son soute. était tu dégueulasse à ce point-là physiquement pour y mettre ça ou ben, il trouvait pas de costume? De... WCW était, il était en, ouais, en camisole. Euh... Non non, il, non? Était en short, il était en short puis il était en chest. là. Ouais. Ouais, LGianté, tu pourrais checker. Ah oui, bah, que... oui 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 c'est vrai c'est vrai. Oh, as ouais. raison. Je suis ouais. n'importe quoi. Ben Mais, je... euh, ouais. Mais le, le, le body so justement c'est Vince là, qui trouvait qu'il était pas assez chapeur pour un monstre fait que il disait ah il dit, oh, ben on va, te, on va te donner ça ah, on ouais, va pareil. Classic Vince. Puis euh, sinon, <laughs> euh, c'est un, un autre, un autre euh, monstre, un autre freak sur le chemin d'Undertaker pour, pour euh, qu'il soit strong. Puis euh, Undertaker a toujours dit que les matchs les plus difficiles, c'était contre John Gonzalez. C'était contre lui qui avait, qui avait eu la plupart de ses blessures euh, un peu plus sérieuses à l'époque. Mm -hmm. euh, fait, on le voit dans le match c'est très très difficile euh, ça suit pas beaucoup puis euh, tu vois que y a pas de communication elle est pas bonne ça passe pas bien euh, Jean Gonzalez qui était très 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 green Gonzalez Oui. Puis, <laughs> puis Gonzalez qui est, euh, qui est parent avec une lutteuse mon cher TJ, hein, pour ceux qui le savent Mais, pas. ouais son, 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 son sa belle nom. fille ah c'est belle F fille. Sa belle-fille, c'est euh, Raquel Rodriguez. The More You Know. Elle est un petit peu meilleure, hein? Un petit peu beaucoup, oui. Ouais. Et évidemment, tantôt, on parlait de l'entrée de Lex Luger avec les demoiselles, mais le Taker aussi a une entrée quand même cool là, quand tu ouais. checks ça pour le WrestleMania 9. Là. Mm -hmm. Il arrive avec un... il y a deux gars qui le transportent en genre de carriole, si on veut. Mm -hmm. Puis, dessus, il y a un... à côté de Taker, il y a un vautour qui est attaché. Puis euh, c'est cool. La seule affaire, c'est que, tu sais, évidemment, t'as parlé tantôt que c'était de, dehors, puis qu'il y avait ouais. encore du, de la lumière, là. Fait que ça enlève un petit peu du lustre à l'entrée, à Mais en même temps, c'est un épique, là. C'est pas si grave que ça pour le 9, non. Là. Puis à ce moment-là, Taker avait pas nécessairement non plus le... Le... Oui, il était dark, mais je veux dire, le jeu de lumière était un petit peu plus loin dans sa carrière. Que... Oh, ouais. Mais j'ai mis les angles de caméra, justement, pour le, le corbeau. C'est un ouais. corbeau que comme quoi... Euh, j'ai des qu photo filmée, mais c'est un corbeau. Oui, c'est un corbeau. La façon qu'il était filmé, ça donnait vraiment un beau visuel. Fait ils ont comme essayé d'enlever toute le, la lumière. Ils ont, ils ont bien travaillé euh, ouais, il, la, il était en, la lumière. Oui, il, il était en dessous, puis tu voyais, ouais. le, le, il bougeait de ses ailes. C'est vrai, c'était nice, c'est pas vrai. C'était très cool, ça. Ouais. Ouais. Et c'est là, là que les plaisanteries vont arrêter, parce qu'après ça, il n'y a plus rien à dire que c'était cool et c'était bon. Euh, Gonzalez finit par dominer l'homme d'outre-tombe avec euh, des chokes, et une grosse botte et une close line. Euh, la grosse offense là-dessus. Mm -hmm. euh, Gonzalez amène en même temps. Il fait ses pied. Il ne faut pas s'attendre à. Justement. Il hein. faut pas s'attendre à ouais, des miroques non plus. Hein. Et, euh, euh, Gonzalez amène Taker à l'extérieur du ring et le whip dans les marches. Et Taker fait son, <laughs> fait son bump habituel avec les joues de red dans, dans Sting Steps. Là. Pas pour rien, après ça, qu'il y a eu de la misère en... après la fin de sa carrière. Là, t'es muté, le comique là. Un moment donné. Hein? <laughs> ouais, c'est ça, il y a un moment donné, exactement. <laughs> et oui, et après ça, évidemment, t'es que rien avec des punch euh, que Gonzalez vend de façon euh, ben il vend ça. <laughs> Arrête de dire Gonzalez. <laughs> ben là, j'ai pas dit de la même façon. <laughs> le géant, bon. Ouais. Le géant. <laughs> Gonzalez! <laughs> Elle Gigante. El Elle Gigante. Oui, euh, ouais, évidemment, il vend ça comme un, un monstre, comme un genre un Frankenstein de film des années 50. Là. Donc, il fait bouger Terminant. les bras de même. Là. ouais c'est ça. Puis il bouge les bras, puis il fait des faces goofies. Mm -hmm. euh, puis ouais, il vend pas très bien. Disons que c'est pas sa force. Euh... La lutte, c'est pas sa force. Hein. <laughs> Aussi, voir <ouais, d> <laughs> aussitôt qu'il est dans le trouble, quand il est à l'aise, il a besoin d'aide. C'est fou, pareil. <laughs> Harvey monte sur les prunes Et quand Taker va vers lui, il lance une débarbouillette. Avec de la chloroforme dessus. Et Gonzalez va donner un coup de tête à Paul Bearer qui va en sous comme un dieu. <laughs> il tombe sur les prudes et fait. Et après ça, évidemment, il, il fait passer Outtaker avec le, le, la débarbouillette. Euh, et après ça, l'arbitre, Bill Alfonso, évidemment, qui était à la. Il oui. par après avec euh, RVD puis Sabo. Monsieur le Sifflet, le sifflet. Le oui. Et euh, il disqualifie Gonzalez. <rire> Désolé. <rire> il gagne le combat. Taker gagne le combat. Il est maintenant 3-0 à WrestleMania. Puis euh, avec ce match-là, on a reviewé les trois premiers matchs de Taker à WrestleMania. Ah oui? Oui, on a fait euh, la semaine dernière contre Snuka à WrestleMania 7. Puis on a fait l'année passée à WrestleMania 8 contre Jake Roberts. Ah ben, on va tous les passer, maintenant. Ben, je pense que oui. <laughs> on devrait. <laughs> J'ai déjà hâte au match Nathan Jones. Euh... <laughs> la semaine prochaine! Oh, wow. Non. non, pas vraiment. La semaine prochaine, il n'y a pas de match de Taker. Non, en effet, en effet. Le match de Triple H, par exemple. Ooh. Yes. Oui, ça fait qu'après qu ça, les officiels de Check Taker pendant que le géant joue avec, euh, au yo-yo avec Alfonso, <laughs> il, peut, il prend la gorge, puis il monte dans les airs, puis il le fait tomber. Puis il fait un choke slam, qui est lucide et très laborieux. Mm -hmm. Et Taker, lui, part en civière. Le géant célèbre son travail quand on entend le gong, encore une fois, de Taker, puis il revient au grand choc de Gonzo. Et euh, Taker le fait tomber 4 close lines de Gonzalez Rose. Rose. Roule oui. à l'extérieur du ring. Oui. Euh, ça, ça vous vaincu. Le géant de ses pieds 4. Pas vrai, Storyline finira pas là, en plus. Ouais, les deux vont construire leur storyline jusqu'à SummerSlam 93, où euh, Taker va encore gagner le match. Mais cette fois-ci, décisivement avec un. En fait, il l'a piné un 2 3 Puis mmh. après le match, Gonzalez a fait un... Il fait un face turn, euh, qui a attaqué son gérant à puis comme j'ai comme on, on, on dit euh, cette semaine dans notre conversation Groupe Messenger, ben c'est. Il a fait une apparence de plus Gonzalez à euh, WWF euh, quand il est arrivé après un match euh, d'Adam Baum, qui était évidemment la nouvelle charge de Whippleman. Mm -hmm. Il est venu chasser du ring après qu'il ait battu un jobber et qu'il a allé à, à l'attaquer. Puis c'était la dernière fois qu'on a vu Gonzalez, évidemment, à WWF euh, par la suite. Oui. Mais entre WrestleMania et euh, King of the Rings... Ben, okay. ring, sur tout, là. Mm. Il, y avait, il y avait des house shows, Puis il y avait beaucoup de, de segments où ce que Hogan faisait face-à-face face avec Gonzalez dans le ring. Oh. Il y a même, même des images de ça qui sont, qui sont disponibles sur Internet. Là. Puis euh, tu vois que les deux font un face-à-face. Face, euh, ça passait proche? Ben ça, oui, dans le show, ça aurait pas arrivé. Puis, euh, tu sais, pas pour, pour, pour voir l'action du match de lutte hein, comme quoi c'est un five-star match, mais. J'aimerais ça voir ce match-là pour les raisons opposées qu'on voudrait voir un match de lutte d'habitude. Ouais, puis le visuel devait être impressionnant aussi, là, quand même. Ouais. Ouais, ça aurait été divertissant de voir ça. Fait un peu hein, une euh... comparaison avec Omos et Brock aujourd'hui. Ouais, mais Omos, euh, je pense qu'il est meilleur que Gonzalez. C'est est bon, hein. C'est du fin de praise, c'est pas un L exploit oh, ouais. bien, ben, mais quand même. Fait qu'il est vraiment dégueulasse, euh, puis en plus, euh, c'est une fin de schnut. Puis Fait que Southern était tellement bon, il fallait qu'elle continue. Ouais, mais en même temps, c'est comme je disais. C'est trop bon. C'est ça, exact. Je sais pas quoi dire. Ben, dis rien, Stan, dis rien. Ben, dis donc ce que t'as pensé du match pareil. Ben, dégueulasse. Est... Ok. C'est toujours. Gonzalez a toujours été. <laughs> toujours été dans les worst. T'as tué parce que t'as dit Gonzalez, ouais. là encore. je savais. Toujours été dans... dans mes souvenirs comme étant un des worst, mais qu'on se, souvient... se souvient tout le temps. La... La seule affaire qui est cool de Gonzalez, c'est de posséder son Hasbro. Ouais. Que euh... Gonzalez, euh, il fait paraître Great cali pour Taker. Là, fait que, ouais. Parfait. Okay. c'est bien le fun de parler de lui. <laughs> ouais, en effet. C'est terminé pour, pour aujourd'hui. Interview time avec Michino Cullen, euh, qui est là avec Hulk Hogan. Oh boy. Il oh. peut pas être pire que celle qu'on a vue euh, sur Twitch, en tout cas. Là. Non, non. <laughs> le Hulkster dit qu'il revient du vestiaire de Bret Hart, me semble, ouais. Et mm. Il dit que tous les Hulkamaniacs sont derrière le Hitman, me semble, ouais. Euh, il veut qu'il aille euh, un œil sur Yoko, puis un œil sur, euh, sur Fuji comme un chat. Quelque chose qu'Ogan ne pourrait pas faire avec son black eye. Hein. Euh, et quand il dit. Euh, et quand il dit, quand il a regardé Brett dans les yeux, il n'en revenait tellement pas. Puis il dit qu'il a même questionné la force de Alcomania, me semble, ouais. <rire> euh, <rire> Et c'est pour ça, Bret Hart, que je lance un défi à toi ou le Jap Brother. Rien, pas assez spontané. Il veut une chance au titre euh, que ce soit lui ou Art, La statue va rester aux États-Unis. Évidemment, what you gonna do, brother Ouais. Puis euh, ce qui est le fun avec tout ça, c'est que bon, je pense qu'on va on, va, non, on va le dire ça la fin du match à la place parce que ouais, ok. Euh, ben tu sais c'était un peu l'ère de Bret Hart. Hogan était parti pendant quelques mois avant ça parce qu'il y a eu le scandale des stéroïdes, fait qu'il il était comme disparu des écrans un peu. Formage de retraite euh... l'année d'avant, 28-8. Ouais, c'est vrai. Fait que euh, c'était disparu un peu. Puis c'était Bret Hart qui avait pris la relève. Bret, qui était, tu sais, qu'on qu aime ça, qu'on aime, qu'on qu croit ou qu'on qu ne croit pas. Vince McMahon aimait beaucoup Bret Hart à l'époque euh, de, de la Golden Era. Puis euh, c'était l'heure de Bret. Bret euh, était le, le workhorse de la compagnie. Puis euh, c'était le, le gars qui avait la carrière de WWE sur ses épaules. Euh, c'était son temps à lui, mais euh, Ogun est revenu. Puis il y a un, un match contre Yoko que, ça, c'est. Yoko pour un big guy, c'est vraiment, vraiment des, des bons matchs. Puis c'est la psychologie, de, il savait là, il connaissait sa grosseur. Puis en mm -hmm. plus, il savait comment worker quelqu'un de plus petit. Ça veut dire que tout le monde est plus petit que lui, là, mais oui. Euh, Puis Bret Hart aussi, c'est Bret Hart là, dans ces matchs, il est intelligent. Fait que, ça, mm -hmm. ça me donnait quand même un, un combat épique. Puis euh, c'était prévu, là, je sais que tu vas parler du résultat du match, mais c'était prévu que Bret... Euh, Drop la belle contre Yoko, même avant qu'Ovin soit dans le portrait. Euh, C'était dans les storylines. Que... Ouais. ouais. C'est ça. Et avant de passer à ce match-là, ben, peut-être pas d'un l'interview des fans. Les, les commentateurs parlent un peu. Puis ouais. voici le match numéro 8. Brett Letman Hart défend son titre de la WWF contre Yokozuna et accompagné évidemment de M. Fuji. Yokozuna qui a gagné le Royal Rumble 93 pour se qualifier, n'est-ce pas? Oui, à Macho Man euh, avec le, le fameux ce qui pousse puis que Macho Man se pêche en dehors de seul. Ouais, oui. Ok, ben tu sais, en même temps, c'est correct. Là, oh ouais. Yokozuna qui gagne le Rumble, moi je trouve ça je trouve ça excellent. C'est logique puis, euh, aussi, là. C'est logique. Puis à fond, Bretard, ben, ça, ça donne un comment je peux dire ça? Un, quasiment un, une montagne impossible à battre pour Bret Hart, qui avait gagné sa belt euh, quoi, quelques mois avant Bret nest me semble? Euh, gagner ça, je te dirais. C'est euh, Super Series ou euh, avant Non, ça? un petit peu avant fin octobre, début novembre, je te dirais. Là. Ouais, c'est ça. Contre ouais. Ric Flair dans un house show à, à Oshawa, Saskatchewan. Ouais, sa première belt, euh, sa première, premier championnat de Bret euh, Ouais. Premier ring de champion. C'est pas des battre de le Bat -Rick Flair. VHS. Ouais, au Canada. Okay. Euh, oui, c'est ça. Fait que euh, voilà. Et pas mal ça, là, Yoko a gagné Royal Rumble. Puis évidemment, ouais. là, on dit que, Yoko, que Brett ne peut pas battre Yoko parce qu'il est, est trop gros, est pis il est trop fort. Pis, euh, mm -hmm. et, 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 on a vu aussi un petit segment là, au March WrestleMania 9 où la saison de contrat. Ah, Brett, ouais, ouais crois que Yoko a attaqué Brett puis il a fait un bon side drop puis Brett s'est relevé pareil tant bien que mal évidemment là tu il a pas, pas relevé pour lever comme comme Morgan mettons là. non mais puis il vendait comme quoi Brett avait même si Brett coeur. était ouais, il y a du cœur puis même si l'autre il match côté poids côté grandeur euh, il y a une chance quand même ouais. et Brett utilise sa vitesse tôt dans le combat mais c'était pas très effectif alors Brett change sa stratégie un petit peu et de l'extérieur du ring, il fait trébucher Yoko, qui est euh, les, les pieds d'un corde, euh, pris. Puis après ça, Brett, il fait euh, un genre de dive, euh, un genre de suicide dive, mais de l'extérieur jusqu'à l'intérieur sur Yoko. Puis aussi, euh, son elbow de la 2. Et après ça, euh, Yoko revient avec une close line et une grosse leg drop. Euh, et Art fight back, mais Zuna lui dit Qu'un, retourne à tête, oui, avec un pro super kick. Euh, et Yoko manque une charge dans le coin. Et Art lui fait un superbe bulldog du coin. Un move que j'adore en passant le bulldog. Je trouve ça tellement un beau. C'est bien fait. Ouais. Et euh, après ça, une grosse line envoie Yoko euh, au tapis. Et là, Brett euh, prend son air d'aller. Yoko attrape Art qui lui tient le turnbuckle euh, puis qui finit par l'arracher. Ouais. Beau visuel. Ouais. Puis après ça, Yoko essaie de rentrer Brett dedans mais Brett a mis son pied pour bloquer. Puis évidemment, c'est Yoko qui a goûté euh, au métal du, du coin. Yokozuna est sur le ventre et le Hitman réussit à faire le charge Shooter euh, qui était quand même impressionnant. Ouais, euh, mais oui. vrai. Ouais. Ouais. Malgré la grosseur des jambes de son adversaire, il euh, était capable de faire ça. Et pendant que l'arbitre demande à Yoko s'il abandonne, euh, M. Fuji, de sa poche, sort un sac de poudre et lance ça direct dans la face de Bret Hart. Euh, Yokozuna fait le tomber. Un, deux et trois. Nouveau champion de la WBF, Yokozuna. Euh, et avant de continuer évidemment avec le reste ouais. là, mais bon match pour vrai euh, Brett a pr 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 pratiquement carré Yoko là, même si Yoko a dû son bout aussi là. Ben, il a dû son bout mais bon, je trouve que c'était Brett qui était la, la glue du match là. Yoko a fait beaucoup ouais. de, de, de nerve old et d'affaires de même ben, c'est un, un match psychologique pensé pour deux gars qui sont pas habitués à s'affronter ouais. je pense qu'il y avait une bonne chimie aussi je pense que même backstage ces deux là s'entendaient bien ouais ben, euh, bien moi, j'ai ben, ben, vraiment bien aimé le match. La seule affaire que. Ben, il n'y a pas eu de botte dans le match, à part quand il a sauté ses épaules et qu'il a tombé par-dessus Yokozuna. Mais 8 minutes, tandis que l'Ougur et l'autre ont eu 10 minutes, quelque chose. J'aurais donné peut-être un petit peu plus de temps à ce match-là. Puis c'est un combat de championnat. Mais ouais. euh, il y a, il a un mais parce qu'il y a un aftermath à ça. Mais pas juste ça, tu dis que tu aurais donné plus de temps de match. Mais Brett aussi voulait avoir plus de temps de match. Même que le match était plus long. Mais Yoko, euh, il a encore un autre ball parce qu'il n'était plus capable. Ah c'est ça, ok parfait. Ouais. Okay. Ouais. C'est pour ça que la match était un petit peu moins long parce que Brett avait encore 2-3 minutes, je pense qu'il avait dit de plus Ah le oui, c'est vrai, ouais. Il y avait ouais. 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 Puis je pense que quand il est tombé en pleine phase face, de la c'est parce que Yoko pensait que c'était le bulldog, je pense. Ah ok. Fait que ce serait logique qu'il ait tombé là-dessus. Là. Ah, ouais. ouais, fait que ah. sinon, fait qu une fin de map de, de, de Brett pour Brett, par exemple, là, parce qu'il reste. Il aurait pu moins faire un move après. Là, où il juste le pinac à cause qu'il y a du, du, du sel dans ouais. les yeux. Là. Mais au moins, c'est pas temps. peu. Ouais, en même temps, c'est au moins, il perd par, euh, pas clean. Fait que non, ça, non, c'est sûr. sûr. Puis, euh, ce, qui est, ce qui est le fun là-dedans, c'est que Brett, lui, a appris qu'il allait perdre sa ceinture la veille. Ouais, il l'a su pas, pas longtemps après non, ça, ouais. ouais la, la veille, puis. Euh, Avant ça. Ouais, c'est que Brett, ça ne dérangeait pas de perdre contre Yoko. C'est tout le reste qui vient avec qui le dérangeait, puis ça, je vais te laisser y aller. Ouais. Fait qu'après le combat. Euh, le grand champ de Bret Hart, Hulk Hogan. <laughs> ah ouais, il vois cette barre là, t'es-tu correct, moi y aller, euh, moi? Euh... ouais euh, j'ai juste de l'affaire à te le faire dire, me semble, oui. Il pense il dit au ref qu'il a triché, Yokozuna puis Fuji. Mm -hmm. Et Fuji lui-même prend le micro et on the spot, il lance un défi à Hogan, il dit que Yoko va défendre son titre right now contre le Yellow Belly s'il si veut. Puis les fans de Bret Hart euh, convaincent le d'y aller. Et on a officiellement le match numéro 9. Euh, Yokozuna défend son titre de la WBF fraîchement taquée. Quoi? Contre Hulk Hogan. Euh, et un match très long. Euh, que genre de... Allez-vous prendre un, un snack ou deux pour revenir. Je suppose que okay. je vous donne la permission. Euh, Yoko tient Hulk pour Fuji, qui lance le sel dans les yeux de Yokozuna quand, évidemment, Hogan s'enlève. Et euh, un punch à Fuji. Close line leg drop of doom et Hogan contre Yokozuna pour le compte de trois et nouveau champion. Champion pour la cinquième fois à l'époque. Euh... Vas-y, je te laisse continuer. Euh, J'ai pas souvenir de l'époque que c'est arrivé. J'ai souvenais de. C'est juste par-là. J'ai souvenir de Brett Yoko, mais on dirait qu'à l'époque, j'avais pas trop compris pourquoi tout ça arrivait. On était jeune. Ouais. Mais euh... Tabarnas. Écoute, la raison qu'ils ont donné c'est qu'il y avait la tournée européenne, puis que Vince, Vince voulait Hogan comme champion pour s'en aller à la tournée européenne, fait Il voulait un champion strong, puis yokozuna allait, allait, battre Yoko, allait battre Brett de toute façon, puis il voulait pas que ce soit Yoko qui s'en va dans, dans un nouveau marché ou dans un marché différent avec un champion Hill, il voulait que ce soit quelqu'un de populaire comme Hogan. Euh, Évidemment, Ogun a fait beaucoup de politique pour avoir cette censure là euh, Ça a été une des raisons qui l'a convaincu de revenir et de rester aussi. Mais. Euh, euh, il était champion jusqu'à quand, Ogun, après Il a perdu contre qui, hein? après King of the Ring. Contre Yoko hein, c'est ça Ouais. Mm -hmm. Ouais, c'est ça. Il voulait, il voulait, lui, il voulait perdre contre Yoko, ça ne dérangeait pas, mais il ne voulait pas perdre ouais. contre Brett. C'est ce qu'il dit. En tout cas, il voulait pas, il voulait pas il voulait perdre contre Brett quand Brett était dans la même pièce que lui. Là. Ouais, c'est ça, parce que. Ouais. Euh, il disait aussi, la raison qu'il donnait aux guns c'est que ben c'est ces deux feuilles, ça serait pas ça serait ouais. pas logique puis ben ouais non rentrer tous les détails dans la biographie de Bretard qu'on a faite ouais. au début de l'année ouais. allez voir ça on en parle beaucoup là-dessus là, fait qu'on va ouais. passer trois heures à parler de ça parce que ça serait plus long là. mais ouais. allez voir ça la biographie de Bretard C'est pas partout c'est assez dégradant, mettons, pour, pour le titre aussi là, pour la c'est 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 mais la façon que c'est fait c'est dégueulasse là. Ouais. Puis évidemment, aucun mot se pose. Le pay-per-view est terminé, les amis. Puis euh, moi, je vais y aller avec ma, mon appréciation du match. Euh... Mais tu sais, attends, juste avant que tu ouais, Vas-y, vas-y, vas-y. S'il n'y avait pas eu ça à la fin, là, les deux derniers matchs auraient quand même sauvé. Pas sauvé le pay-per-view, mais mettons que ça aurait été plus smooth. Mais ça, ça vient vraiment décoller toute la débordade au complet. Là. Ça vient de. Le, le train, le matin, il était. Il y avait une roue, ça arrête, puis l'autre à côté. Là, puis là, ça, ça a débarqué ouais. vraiment. Ouais. Carlis, euh, comment tu veux, comment enterrer ta nouvelle garde dans cinq minutes? Hein? C'est ouais. <laughs> vraiment. Brett, Je pense que Brett a du talent. Ben ouais, puis euh, les deux ont vraiment deux gros jambons. Puis mm. tu sais, évidemment, à, étant un, un, jeune, un jeune kid là, qui a Morgan à cette époque-là, tu mark-out pareil, là, quand t'es ouais. jeune, tu sais pas, là. Mais c'est un, un, un moment extraordinaire si t'es là-bas live ou ben, t'es un, un de ses plus grands fans. Là. Mais sinon, euh, c'était pas mal horrible. Là, mais en même temps. Puis, tu que la, réac la réaction d'Augun quand il célèbre. Puis tu vois que. Ouais, mais tu vois que c'est pas comme d'habitude. Tu sais, habituellement, Hogan, quand il célèbre, c'est organique. Puis là, tu vois qu'il y a quelque chose ne qu voit pas. Là. Ça a été forcé, on dirait. Moi, en tout c'est moi, tu vas dire que je vois les affaires partout. Là. Mais ouais. euh, moi, Je sais pas. Il y a quelque chose de pas, pas cool là-dedans. Cool. Ouais, comme comme on a dit, évidemment, ben Hogan va perdre la ceinture contre Yukozuna à King of the Ring 93, trois mois plus tard. On l'a-tu fait King of the Ring 93? Non. Parfait. Je veux juste savoir quel qu'on on allait faire cette année. <laughs> ben, on va en, en faire deux sûrement, hein? Un chaque comme d'habitude. Pas tout ça arrivé. On était jeunes, Mais, Mais euh. Tabam. Écoute. La raison qu'ils ont donnée, c'est qu'il y avait la tournée européenne, puis que Vince, Vince voulait Hogan comme champion pour s'en aller à la tournée européenne. Fait il voulait un champion strong, puis Yokozuna allait, allait battre, Yoko, battre Bread de toute façon, puis il voulait pas que ce soit Yoko qui s'en va dans, dans un nouveau marché ou dans un marché différent avec un champion Hill. Il voulait que ce soit quelqu'un de populaire comme Hogan. Euh, Évidemment, Ogun a fait beaucoup de politique pour avoir cette ceinture-là. Euh, ça a été une des raisons qui l'a convaincu de revenir et de rester aussi. Mais. Euh, euh, il était champion jusqu'à quand, Ogun, après Il a perdu contre qui, hein? après King of the Ring. Contre Yoko hein, c'est ça Oui. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Il voulait, il voulait, lui, il voulait perdre contre Yoko, ça ne le dérangeait pas, mais il ne voulait pas perdre ouais. contre Brett. C'est ce qu'il dit. En tout cas, il voulait perdre contre Brett quand Brett était dans la même pièce que lui. Oui, c'est ça, parce que. Ouais. Euh, il... Il disait aussi, la raison qu'il donnait au guns c'est que ben ces deux serait ça ne serait pas, ça serait ouais. pas logique. Non, euh, ben, ouais, ça on, faut, on peut rentrer tous les détails euh, dans la biographie de Bretard qu'on a faite là, là, ouais. au début de l'année. Ouais. allez voir ça, on en parle beaucoup là-dessus. Là, fait qu'on ne pas ouais. passer trois heures à parler de ça parce que ça serait plus long, là. Mais ouais. allez voir ça, la biographie de tu est euh, disponible partout. C'est assez dégradant, mettons, pour, euh, pour le titre aussi, là, pour la. c'est au Gun, mais la façon que c'est fait, c'est dégueulasse. Puis évidemment, aucun de m'a se et les, Le pay-per-view est terminé, les amis. Puis euh, moi, je vais y aller avec ma, mon appréciation du match. Euh... Mais tu sais, attends, juste avant que tu ouais, vas-y, vas-y, vas-y. S'il n'y avait pas eu ça à la fin, là, les deux derniers matchs auraient quand même sauvé. Pas sauvé le pay-per-view, mais mettons que ça aurait été plus smooth. Mais ça, ça vient vraiment décoller toute la débordade au complet. Là. Ça vient de. Tu sais, le, le train, là, mettons, il était. Il y avait une roue, ça arrête, puis l'autre à côté. Là, puis là, ça, ça a débarqué carrément. Ouais. Carlis, ouais. Ouais. Euh, comment tu veux enterrer ta nouvelle garde dans cinq minutes? Hein? C'est fun. Ouais, <laughs> vraiment. Brett Je pense puis que Koua Brett a, de, a du deux, talent. Ben ouais, puis euh, les deux ont de vraiment deux gros jambons. Puis mm. tu sais, évidemment, à, étant un, un, jeune, un jeune kid là, qui a Morgan à cette époque-là, tu marques out pareil là, quand tu es ouais. jeune, tu sais pas. là. Mais c'est un, un, un moment extraordinaire si t'es là-bas live ou ben es un, un de ses plus grands fans là. mais sinon euh, c'était pas mal horrible, là, mais en même temps puis tu sais, tu sais que la réaction de quand il célèbre pis tu vois que ouais mais tu vois que c'est pas comme d'habitude tu sais habituellement Ogun quand il célèbre c'est organique puis là tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. ça c'est été forcé on dirait en tout cas, moi tu c'est moi tu vas dire que je, je vois les affaires partout là, mais ouais. euh, moi j'ai je sais pas il y a quelque chose de pas cool là-dedans. J'ai comme on qu'on a dit, évidemment, aucun va perdre la ceinture contre Yokozuna à King of the Ring 93, trois mois plus tard. On l'a-tu fait de King of the Ring 93 Non. Parfait. Je savoir juste savoir quel on qu'on allait faire cette année. On va tenter d'en faire deux, sûrement. Un chaque, comme d'habitude. Bref, okay. euh, ce qui conclut euh, évidemment la, po la portion review du, du pay-per-view. Maintenant, il faut aller avec nos matchs de la soirée. Le worst match, il a du show, évidemment. Ah, c'est à moi. Ben oui. Taker Gonzalez. il ne faut pas le match of the night qu'on commence. Là. Ah, j'ai dit le worst match. Ah non, c'est le match of the night, c'est ça. Taker <laughs> Gonzalez. Ça là dessus ça, me semble, oui. <laughs> oh, ben, je vais commencer par le worst, là, vu que j'ai dit. Ouais, ok. Bon, là, Taker le même, contre... là, on, on ah, se ouais. le cachera pas, là, Chris, là. Taker contre Gonzalez est le pire match de la soirée. Euh, évidemment, euh, ton crush contre Dunk, c'était pas bon, mais c'était moins long, ouais, c'était pas mal mais... plus organique que ce match-là. Au moins, les deux, quand même, devant des moves, au moins, le, comparativement à John et Gonzalez, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu veux jouer avec mon match of the night? Oui, vas-y, donc. OK, parfait. Je vais donner à mon match of the night, les Steiners contre les Edge Shrinkers, mon cher TJ. Parfait. Et j'ai donné le match donner, même combat que toi. Fait que... Fait que double. Ben, on est parmi. T'avais-tu avais un, un, un B ou c'était vraiment ce match-là? Ouais, euh, c'était Brett Bret Yokozuna. Okay, OK. Parce que j'aime ai, les deux lutteurs, puis j'ai apprécié de ce que j'ai vu. Parce que, tu sais, on voit souvent des, des matchs avec des gros gars, puis ça donne rien, mais... Ouais. J'ai ai vraiment aimé comment Brett a worké le match. Puis, non, anyway, c'est Brett, ça, on ne pas d'histoire. Hein. c'est ça. Mais c'était... J'ai hésité, mais... Le, puis la fin n'a rien à voir avec ça, là, Parce que c'est pas dans le match. Là. Mm -hmm. J'ai pas, pas fait comme je choisis pas ce match-là à cause qu'Auguine a gagné à Bell. Ça n'a aucun rapport avec le, 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 la qualité du match. C'est juste parce que le match tag team était quand même très solide. Puis c'est un match tag team, c'est plus dur à worker aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Fait que là, il reste la note du show à donner. Et, et, euh, moi, je pense que ça probablement la note la plus basse que j'ai donnée ever au show. Là, au au, au ah, détro ouais. review qu'on fait. Là. Ouais. ouais. T'es es dur, là. Je suis dur. Ouais, là. La tu pire note à... C'est plus pire que. Moi, ouais, ça s'appelait le, le show euh, Boring? Là. Euh... Ben là, c'était Boring, c'était pas dégueulasse, là. Pas pareil. Cold DNL, on s'en fout, là. Ok. C'est le pire que Cold DNL? Oh, excusez. Oh. Ben, pas de beaucoup, là. C'était combien, t'avais donné? 5? 5, je pense. Si je me souviens bien. Peut-être 5.5 ah, ouais. peut-être. Ouais. Okay. Je vais y aller d'abord, Krim. T'as qu'à qu dire, ton auto du pot ouais. de main. Tu me teases, là, même. Ma note du show. Pour WrestleMania 9 est de 4.5 sur 10. Ah ouais, en fait, t'es dur quand même. T'as plus que moi cette fois-ci, hein? Ouais. ouais. Et de beaucoup. Ah, tant que ça. Mais non, non, oui. non, pas tant que ça. <laughs> non, c'est sûr que <laughs> non. OK. Euh, ma note moi. pour <laughs> WrestleMania 9 est de 5.5 sur 10. OK. Ah oh, ouais. ouais. Voilà. <rire> <rire> Ouais. Je sais que pour beaucoup de monde, c'est un show dégueulasse. Je sais qu'il y a beaucoup d'affaires qui n'ont pas marché dans ce show-là pour plusieurs raisons qui n'ont aucun rapport avec la lutte. Mm -hmm. Mais j'ai quand même apprécié le show. Euh, à part trois matchs vraiment de euh, le reste se regardait passablement bien. Mais il y a juste les matchs aussi. La nostalgie, peut-être? Peut-être, mais comme je te dis, Yoko contre Brett Cool. Euh, Perfect quoi, Luger, j'ai pas d'attente que j'ai trouvé ça correct. Euh, les deux premiers matchs, je les ai aimés aussi. Fait que tu sais, déjà là, c'est quatre matchs que puis, que as eu pas en... Ouais, c'est ça. Fait que tu peux pas donner vraiment moins que ça. Ok. Ouais. C'est bien correct. Garde, euh, ah ouais, mais t'as le droit. Hein, chaque pour, une, pour, ouais. pour une des rares fois qu'on qu est pas pareil et que c'est moi qui ai la plus, la, la, la plus basse, c'est ouais, C'est ça. Des fois, on, des fois ça, ça change. Well, uh, WrestleMania 9 est dans le rétroviseur, là, messieurs. Il nous reste juste un stop. Euh, pour les rétro reviews, pour, ouais, le, tout un, tout un, un stock de 8 heures. <laughs> ouais, mais il faut le faire différemment. Oh, oui, je le sais bien, mais quand même, ça reste un show de 8 heures ouais. pareil. On a du stock parce qu'on était là-bas. Euh, ouais, live. en effet. Puis on a assisté à plus qu'un show, fait qu'on va vous parler de notre voyage pour notre seul WrestleMania qu'on a assisté à vie à date. WrestleMania 35 qui s'en vient la semaine prochaine au podcast. Euh, donc, euh, c'est ça, on va parler de notre expérience de WrestleMania dehors aussi. Euh, il ne faisait pas chaud. Un petit peu de pluie. Euh, mais euh, je vous le conseille d'aller voir un WrestleMania en personne, c'est quelque chose. N'importe quel show est le fun en personne, mais un WrestleMania. Oh ouais. euh... C'est un must, là. Ouais. Ça puis Rumble, là, en gros, les deux shows pour voir, c'est ça. Il manque juste un slam, moi. Hum. Un jour. Ouais, c'est sûr. Parfait. Fait que euh, rien à ajouter pour ça. Euh, <laughs> bon, bon podcast. Bon, bon show. Avec Patreon, une note euh, euh... médiocre. Ouais, allez voir tout ouais. ça. On euh, est tanné d'en parler. Non, c'est pas vrai. Mais je vous conseille quand même de regarder le show. Ben ouais, non. C'est un show unique, je trouve, quand même. L'entrée, <coughs> oh, Mais... oui, euh, c'est juste l'aura à l'entôt de show là, avec les, les, les décors et tout ça, c'est nice. là que, allez voir ça, puis... Euh... Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis euh, on se revoit la semaine prochaine pour la WrestleMania 35. Merci, mon cher TJ. Oui. Euh, puis euh, je ne veux pas voler de punch, là, mais alors qu'on a fini d'enregistrer le podcast, je suis un petit peu fatigué. donc bah ouais? euh, ben oui, quand même, un risque. Ouais. j'ai pas dit. Mais il est tard, il est tard. J'ai hâte d'aller me coucher. Parfait. On va te coucher. Oui, sûrement on va faire. Fait qu'avant d'y aller, ben, merci beaucoup, tout le monde. Merci à toi aussi. Merci. Puis euh, Sauf à, à notre background n'est pas aller chier. Là. Mais <laughs> ceux qui ne savent pas sur l'audio, ben, c'est Hogan avec la ceinture. <laughs> Puis moi j'ai un bandeau du holster en plus. <laughs> <laughs> euh, c'est ça. Fait que, euh, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine pour WrestleMania 35 la semaine prochaine, évidemment. Puis euh. WrestleMania beaucoup de cette année que ça vient aussi avec notre panel. Là, on va voir aussi dans une couple de semaines. Mais attendant, soyez bons. Soyez juste, soyez sages, soyez fins. Mais surtout, allez